day. Dans cette maison quelque part à la campagne. Alors qui conduit? Ah, je veux bien conduire. C'est vrai? Le chanteur Yves Duteil, la comédienne Chantal Latsou et le top modèle Noémie Lenoir se sont retrouvés le temps d'une parenthèse placée sous le signe de la rencontre entre trois mondes. Je t'aime, MS, tu m'infrarouge. Ouais, c'est ça, vas-y. Elle est où, celle-là? Je suis contente parce que mon mari me laisse plus conduire. Santé. Hey. Un trio de choc rapidement sous le charme des uns et des autres, se laissant tous gagner par un enthousiasme communicatif. Pour lui, la vie est une chanson. Avec son regard doux amer et sa voix unique, Yves Duteil est l'auteur de « Prendre un enfant » qui a été élu chanson du siècle. Plus qu'un tube, un classique, avec lequel il doit désormais composer. Quand on vous a dit que vous avez écrit la chanson du siècle, vous faites quoi après? Ça a été une grosse crise pendant... Je crois que j'en ai bavé pendant 3 ans. J'étais comme une espèce... J'étais sonné. Chantal Latsou est l'une des plus dignes représentantes du théâtre de boulevard. Son humour cache une personnalité pudique et touchante qui a décidé de ne pas placer sa carrière avant toute chose. Arrêtons-nous, faisons des enfants, et puis on verra bien après ce qui se passera. Heureusement, j'ai rencontré l'homme de ma vie, qui est toujours avec moi. Top modèle à la vie mouvementée, troublante par sa beauté et son franc-parler, Noémie Lenoir nous fait vivre la vie d'un mannequin international sous un angle inédit, le sien. Quand on fait des castings, on est 300 filles. Donc c'est la jument qui va gagner à la course, quoi. Et donc on est là, on est jugé. Souvent, on vous demande de vous mettre en sous-vêtements. On regarde, c'est un bouc, hop, non, on fait ça, on fait. Merci, au revoir. Ils se sont cachés. Pendant 24 heures, ils nous ont prouvé que les plus belles rencontres restent celles qui sont le plus inattendues. Mais pour l'heure, c'est une nouvelle journée qui démarre. À cet instant précis, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend. Bonjour. 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 On est perdu aussi. Oui, je ne sais pas où on va. Bonjour. Ça va? Enchanté, bonjour. Noémie. Moi, c'est Yves. Enchanté. Très heureux. Vous allez bien? Super. Super. Ça a l'air magnifique par ici. Ah oui, hein? Magnifique. J'espère que ce n'est pas le jour de la chasse. Et votre nom, c'est Noémie? Lenoir. Lenoir, d'accord. Et vous? Yves Duteil. Oui. C'est incroyable. C'est bizarre, c'est un peu improbable, quand même. Hein. Hein. Improbable, oui. Hein. Oui, on va dire. C'est magnifique, hein? Oh là là! Ouais, ça a l'air très sauvage. Ouais. Oh! Ah. Première surprise. Bon, c'est là qu'il faut être qui prudent. Qui pilote? Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Elle est attachée, là. Il faut détacher. Allez, moussaillon! Pour de nouvelles aventures. C'est parti. Il fait froid, hein. J'ai envie de tomber dans l'eau. Je ne suis pas un pilote émérite, mais on va y arriver. Ouais, c'est bon. C'est parti. C'est beau. Là, c'est mon rêve d'avoir une maison de campagne comme c'est ça. Vrai ouais. On s'arrête là ou encore non, un peu plus loin? Un peu plus loin, ouais. C'est marqué. Alors là, on fait comment la manœuvre? Ah bah je vois, c'est bon. Ouais, tu te débrouilles bien. Allez, je vais faire... Oui, fais l'assistante. T'es prêt? Bon. Ouh. Voilà. On va caler le bateau, là. Alors là, on va la laisser comme la ça, paix. Elle est très bien, viens. Tu me tiens? Je tiens. Hop. Ça va? Parfait. Mieux, ce serait pire. Ah, il y a un petit mot sur la porte. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis parti chercher le pain. Je reviens dans un petit moment. Faites comme chez vous, Fred. Bon, je crois que c'est oui, je crois que c'est par là. Oui, hein. Oui, ouais, allez, allons. À toi l'honneur. Merci. Waouh, c'est charmant. J'adore. Ben, on est chez nous, hein. Voilà. Bienvenue à la maison, hein. Ha ha ha.
Il y a tout ce qu'il faut, hein. Bon. En visite. Allez. Allez. J'aime bien, en plus j'adore fouiller. Alors dis-moi un petit peu, tu es mannequin. Oui. Et c'était ce que tu voulais faire, mannequin, ou tu voulais faire danseuse ou... À la base, je voulais être vétérinaire. D'accord. Mais les études, c'était pas trop mon truc. Et t'es devenue... Donc, bah, mannequin, c'est... on se sert t'es pas trop devenue... du cerveau, donc je suis devenue mannequin. Une bête de scène. Voilà. Et de mannequin à mannequin vedette, il y a quand même un certain nombre d'étapes, je suppose. En fait, ça dépend de la chance, surtout. J'ai eu beaucoup de chance. Regarde ça, je rame comme une reine. Qui a dit que je ne savais pas ramer? Est-ce que ça débouche pas forcément un peu sur le cinéma, parfois? C'est le rêve. J'ai fait quelques films, mais le cinéma m'a non plus pas ouvert les portes. J'ai pas été voilà, quoi, une grande actrice. J'ai toujours fait, entre guillemets, de la figuration. Même si on me dit que non. Toute petite encore, tu peux. Non, j'ai pas. Je suis plus toute petite. Hein. Ça y est, merci, c'est gentil. Alors là, je vais faire un tournant. Voilà. Oh merde. Oh la vache. Oh putain. Tu me donnes quel âge? Ah, alors ça, je ne sais pas. Parce que c'est une question que je ne me pose même pas pour moi. Ah oui. Je ne sais pas répondre à cette question-là. J'ai l'impression d'avoir toujours affaire à des gens qui n'ont aucune différence de génération avec moi. Et je, ça dépend je comment tu es, toi, de, ta tête. De dire quel âge tu as. Ben, je vais avoir 35 ans l'année prochaine. Ah oui, non, tu ne les fais carrément pas. Ça, c'est... J'ai un enfant de 9 ans. Oui, ah, ben, non, vraiment, c'est vrai. Je ouais. comprends pourquoi t'es mannequin. Ben voilà. Financier. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Bon. Ah. Ah. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. Ça va? On se connaît pas, mais on se connaît quand même. Exactement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ça va, Noémie? Oui. Ça va. Je vous toute fraîche. Je vous reconnais ou je te reconnais. Je sais pas si on se tutoie. Ou si on va se tutoyer direct. On va se tutoyer. Je vais déposer mes affaires. Je te fais un petit thé ou un petit café? Un petit thé, pour te réchauffer, allez. À l'orange? Oui. Ça te va? Sympa cette maison, hein? Elle est magnifique. C'est vraiment la campagne, quoi, en fait. Moi, j'adore, c'est ouvrir les frigidaires. Ah, voilà. Oh là. Du fromton. Ah bah oui, ça c'est bien, regarde. Donc. Ah, finalement, je vais prendre de thé, je vais prendre du vin, moi aussi. Ah bah oui. Par contre, Fred, il est parti chercher le pain. Oui. Ah, on n'a pas pris de serviette. On a besoin de pain. On a besoin. Je vais en prendre. Ça donne faim. Ça, c'est bien. On met l'homme au milieu. Allez, je me mets entre vous. Merci. Oui. Oui, oui. Franchement, oh là, là. Franchement. Elle est pas belle, la vie. Elle est trop belle, la vie. C'est sympa. Hein. C'est super sympa. C'est bizarre, quand même, les sols pleureurs dans l'eau. Non? Non, parce que c'est justement un arbre qui adore ça. Oui. Ah, qui pleure dans l'eau, en fait. Sinon, où est-ce qu'il peut puiser ses larmes? Bah, voilà. Hein, voilà. C'est joli, ça. Hein. C'est beau. On ressent le vécu. C'est une chanson. Toc. Oh là là. Merci. Faut qu'il arrive, Frédéric, hein. Oui, parce qu'on va se cailler quand même. Il ne restera plus rien, sinon. Sinon, il n'y a plus rien. J'ai du pain. Le pain. C'est pas toi, en fait. Je crois que vous étiez contente de me voir, en fait. J'ai du pain. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Merci d'être là. Tu vas bien? Grand plaisir.
Ça fait trop plaisir, merci. Hein. Comment ça va? Vous allez bien? Et toi? Allez, super bien, super bien. Oh, je vous entends rire, donc ça veut dire que vous vous connaissez depuis longtemps tous. Non, ça y est. On se découvre en fait. Nous, on a travaillé un petit peu ensemble. On s'est vu une fois, voilà. On a fait un spectacle de cirque avec le cirque d'Arlette Grus. Pour un objet humanitaire. Mangez du pain. Je romps le pain parce que si mon papa me voit couper le pain, j'ai le droit à une scène. Tu as raison, on romps le pain. On romps le pain. Donc. Bon, ça fait plaisir de te voir. Puis alors, te voir côte à côte comme ça, c'est ce qu'on appelle une belle affiche. Hein, parce qu'on voit pas tout de suite le rapport entre vous. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des univers qui sont vraiment très, très, très différents. Oui. Mais en même temps, on est des gens publics qui doivent avoir des tas de choses en commun. Alors, l'image qu'on a de Chantal, c'est quoi? Vous êtes une des filles les plus drôles de France. Merci. D'accord. Vous êtes dans la lignée des Jacqueline Maillan. Les gens viennent vous voir au théâtre depuis quelques années. Voilà, vous êtes en haut de l'affiche et on vient parce qu'on a la garantie de se marrer. D'autant que vous avez un peu la phobie d'ennuyer. Donc c'est important pour vous que ça soit drôle tout le temps. Il faut que ce soit drôle tout le temps, en fait. Je suis dans un sketch dans ma vie, en fait. Toujours. Mais c'est vrai que c'est une espèce d'obligation, comme ça. Puis c'est en moi, en même temps, je pense. J'adore ça. Bon, parcours incroyable, parce que d'autres à votre place se seraient découragés avant. Oui. Hein, le succès n'est pas venu tout de suite. Non. Donc, comment ça se vit? On se demande comment vous avez eu ce virus comique. Oui. Parce que, voilà, je sais pas, ça s'attrape en naissant peut-être, où ça vient, on ne sait pas, c'est bizarre. Ça s'intéresse à l'enfance. Oui, oui. Et puis, une maman qui vous emmène au théâtre, oui. Mais qui va disparaître quand vous êtes adolescente. Oui. Donc encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour vous? Quelle portée ça a eu, cet événement, dans votre vie? Oui. Donc on va essayer de comprendre un peu qui vous êtes, le parcours que vous avez eu, et qu'est-ce qui vous meut aujourd'hui. Avec plaisir, je vous raconterai tout. Ensuite, nous avons donc un homme qui est un poète. Bon. C'est pour vous définir de manière très succincte, hein, mais quand vous écrivez des chansons, vous, c'est pas des tubes que vous faites, ce sont des classiques qu'on apprend à l'école. Je sais pas si vous réalisez. Donc il n'y en a pas beaucoup, des gens. J'ai pas beaucoup reçu non plus de gens dans ma vie. Bon, d'abord, vous avez compris qu'on a construit un petit pont de bois juste pour vous. Mais c'est vrai que vous avez. Bon, cette chanson, Prendre un enfant par la main, a été élue par les Français, chanson du siècle. Oui. Je ne sais pas si c'est un cadeau empoisonné ou si c'est un vrai cadeau. En tout cas, c'est quelque chose d'incroyable. C'est incroyable. C'est beau. Non, c'est pas incroyable, c'est beau. C'est vrai, ça peut être les deux. C'est pas vrai. Non, c'est tout. Alors, moi j'aime bien quand vos collègues parlent de vous. Renaud dit que vous l'énervez, le chanteur Renaud, qui est quand même extrêmement reconnu comme auteur. Hein. Il dit parce que tous ces mots sont des notes et toutes ces phrases sont toutes seules. Wow. Donc, c'est une belle définition d'un poète qui parle d'un autre poète. J'adore Renaud. En plus, il a une forme de sincérité, parfois même un peu kamikaze. Mais il est extrêmement sincère et ça me touche énormément. Et je crois qu'on défend des choses qu'on a en commun. Bon, 14 albums, et j'ai envie de dire, on a la chance de vous avoir là. C'est à vous de décider si on traduit cette phrase, parce qu'on a la chance de vous avoir là, vivant. Absolument, parce que, bon, maintenant, ça, on peut le dire maintenant, parce que j'ai traversé toute cette période en étant un peu en retrait. Je me suis retrouvé inconscient par terre, avec une syncope, et on a dû m'opérer du cœur. J'ai failli vraiment passer de l'autre côté. J'aurais même, d'après certains médecins, dû y passer, de l'autre côté. Et en fait, je suis toujours là. Donc je me dis que c'est sûrement pour quelque chose, et ça me rend l'existence encore plus émouvante. Ça me fait penser que je suis là pour quelque chose, et que j'ai sûrement encore du boulot à faire. Alors, Noémie Denoir, Noémie est une des plus belles femmes du monde. Merci, je m'en vais. Je connais beaucoup, je pense à une amie qui s'appelle Faustine, mais, qui me disait « J'aimerais être Noémie Lenoir 24 heures dans ma vie pour voir comment ça fait. » Donc ça, vous allez nous raconter ce que ça fait d'être dans la vie de Noémie Lenoir. Puisqu'un visage qui est connu dans le monde entier, qu'on a vu dans les aéroports du monde entier, je vous ai vu dans le monde entier, c'est assez troublant d'ailleurs. Vous me direz ce que ça fait. Et puis ce qui est magnifique dans votre histoire, c'est le parcours, l'itinéraire de là où vous venez, qui n'était pas un milieu très riche. Non. Aujourd'hui, vous êtes dans des sphères hallucinantes, vous avez passé des soirées avec des gens incroyables. Avec des gens merveilleux. Et voilà, et puis en même temps, on a des clichés sur les mannequins. D'abord, on se dit qu'elles n'ont pas de mérite, parce que c'est pas de votre faute si vous êtes belle. Bah, c'est un peu ce que je disais à Yves tout à l'heure, c'est un peu la vérité quand même. Oui, quand même, oui et non, parce que vous avez fait des incursions au cinéma, pas que d'ailleurs. La chanson un peu, non? Non, je m'y mets à la chanson. Alors, on va en parler. Et puis, ce qu'on aime avec vous, c'est. Bon, évidemment que vous êtes très agréable à regarder, mais vous êtes très. Vous êtes une nature, comme on dit. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'authentique. Ouais, vous êtes assez franche, très directe. Oui, des fois un peu trop, Alors trop, on verra, mais en tout cas... Mais je me suis assagie quand même. Bon, et puis vous arrivez à plaire aux hommes et aux femmes. Oui. C'est pas le cas de toutes les filles. C'est vrai. Bon, c'est super. Tout pour s'entendre. Est-ce que vous allez réussir à cuisiner ensemble? Ah, yeah. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous avez des idées? Oui, on va se partager les tâches. C'est vrai? Vous savez déjà?
Ah, je sais pas, moi j'avais, je sais pas, je peux lui proposer une blanquette. Génial. Une blanquette de veau. Ah oui. J'adore les blanquettes de veau. Alors ouais. Attention, ma maman c'est la spécialiste de la blanquette moi de veau. Moi aussi. Le level il est high. En général, c'est perdu d'avance. Vous savez, quand ça a le goût de la maman ou de la grand-mère, en général, c'est perdu. Mais moi, c'est ma grand-mère aussi. Ma grand-mère. Yves, vous proposez quoi? Moi, je suis plutôt dans le sucré. Ouais. Je vais faire un tiramisu. Sympatoche. Bah, moi, j'allais faire un curry, mais bon, il y a la blanquette de veau. C'est comme tu veux, tu alors, peux faire le curry. Alors, comme je suis mannequin, j'ai qu'à faire une salade. Le curry, c'est bien aussi, les dents. C'est un peu dur de trouver du massalé en plein milieu de... hein? C'est quoi le massalé? Il n'y a pas de tribu réunionnaise dans le coin. Le massalé, c'est une épice qu'on met dans le curry. Ah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, parce que du coup, on, là, faire on est tiraillé entre le massalé et... Ah non, mais moi, la blanquette de veau... Ah non, la blanquette de veau... C'est bien le temps. Et puis comme ça... C'est le temps. Ah oui. C'est un temps à blanquette, c'est ce que vous voulez. Avec de la carotte dedans. Comme au pot-au-feu. Hein? La carotte dedans? Bien sûr. Oui, parce qu'il y en a qui ne mettent pas de carottes. Ah, si, ils mettent des champignons. Ok, d'accord, on met des champignons. Oui, oui, mais la carotte, c'est important quand même. La carotte, c'est important. On ne dit pas assez. Mais non. Non. Ouais, il y en a qui en mettent pas. Ça prend le goût de la viande. Blanquette de veau. Donc pour l'entrée, on n'a pas tranché, mais on va trancher dans. Oui, on va trouver. Alors, vous savez à quoi sert ce panier? C'est pour que les invités puissent se libérer de quelque chose qui souvent est une sorte d'esclavage, c'est le téléphone portable. D'accord, ah oui. Ah bah moi je l'ai pas sur moi déjà. C'est vrai? Ouais. Donc c'est évidemment une manière de vous demander quelle relation vous avez avec cet objet qui est un peu quand même addictif. Ah ouais. Ah mais moi je peux éteindre mon téléphone, ça rend les gens complètement fous parce que le week-end, je réponds rarement au téléphone et des fois je rappelle même pas. Les gens se vexent mais vous dites oh. C'est ouais, bien. Il me sert plus pour prendre des photos. D'accord. Parce que j'aime voir les gens. Donc, voilà. C'est vrai. Et vous? Je trouve que le portable a une vertu poétique. On l'imagine souvent comme... On s'attend pas à ça. Attention. Non, pas du tout, non. Et mais je peux vous l'illustrer, si vous voulez. Si vous avez mettez la guitare, je veux bien. Ah oui, avec plaisir. Alors, et vous, Chantal? Je vais chercher la guitare. Moi, j'ai toujours un silencieux, en fait. Ouais. Et je l'écoute pas forcément tous les jours. J'écoute tous les messages et puis je rappelle en une seule fois. Ça peut être une pollution et beaucoup de les adolescents maintenant ils sont sur leur téléphone toute la journée. Puis il va vachement vite en plus. Ouais. Votre enfant, et mon fils il me regarde du haut de ses 8 ans et demi, il fait maman je peux avoir un portable? Je fais pardon? J'ai pas entendu. Mais sinon non pas encore. Oh. Alors Yves Duteil qui compose une chanson sur le téléphone portable, ça je c'est demande à voir. C'est extraordinaire ça. Tout de suite une guitare, on est fasciné, on l'écoute. Oui, j'adore moi. Quand je voyage sur la terre, j'emporte toujours avec moi ce petit carré de lumière qui nous relie où que l'on soit. Et nos voix font le tour du monde en numéro privilégié. On s'appelle à chaque seconde pour se dire comment on s'est manqué. On s'écrit encore le soir même, un petit texto à minuit. Tu sais, je t'ai apostrophe M, à la ligne c'est pour la vie. Je t'aime, MS, tu m'infrarouge, on se mêle en copie cachée. Tu me tweets et je te bluetouche, en appuyant sur envoyer. Tous ces baisers que l'on s'adresse, du bout des doigts sur le clavier. C'est du concentré de tendresse, de la douceur en abrégé. C'est l'autre moitié de nous-mêmes et notre domaine interdit. Tu dis je t'ai apostrophe M et je sais que l'on est en vie. Je t'ai apostrophe M aussi. Ça réconcilie avec le... Mais oui, ouais, d'un aussi. Coup, je me sens coupable, reprenez votre portable. On va se mettre au chaud. Ah oui. Ah oui. Oui, ça va faire du bien, là. Ah, c'est pas des crêpes. Des crêpes. Demain matin. Oui. Hein? Have you heard about the new dance craze? Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Est-ce que j'ai entendu des crêpes au petit-déj, c'est ça? Ah oui. Je suis partant, ça, partant. C'est bien, ça. Qui fait les crêpes? Moi, si vous voulez. Oui, elle va faire les crêpes. La farine, des œufs, du rhum. De la bière, ou de la bière. Ou de la bière. Ou du Grand Marnier. Je vous laisse monter pour choisir votre chambre. C'est où? C'est à l'étage. Par là? Ouais. Par là? Allez. C'est bon en haut, hein? Freak out! C'est chic. Freak out! Là, hein?
une là, et là-haut, allez-y, je vous laisse voir ce qui vous inspire, là, vous vous sentez bien. Je vois que tous les trois sont polis, personne n'ose se prononcer. Ah, moi, je laisserai... Elle est jolie, celle-là. Noémie et Chantal, choisir leur chambre. Elle est jolie, celle-là, bah, prends-la. Oh, bah, je serai tranquille en bas avec Yves. J'ai l'impression qu'il y a une chambre qui est plus féminine. Ah bon ? Celle-là, peut-être ? Ah non, ça, c'est plus masculin, c'est pour toi. C'est... J'ai l'impression. Hein ? Alors, prends-la. Allez. Avec les bateaux. Unique, c'est sympa. Le bateau pour les garçons. J'adore. Alors là, on a trouvé le... sèche-cheveux high-tech, dernier cri. Ça, c'est 50, 50, ouais, avec orange comme ça. Ce qui fonctionne encore. C'est là, avec attends, c'est un téléphone, hein. Ça va faire tout pour sursauter. Allô. Il faut 4 heures pour sécher mes cheveux avec moi. Mon téléphone m'a laissé choir. On est bon ? Allez. Alors, mon téléphone m'a laissé... Waouh, je viens de comprendre quand même. On dirait le grenier de... C'est la boîte à souvenirs. Une vieille famille. Ah, 45 tours. Oh, alors là, ça, je suis désolée, rock voisine. Oula. Ça, c'est, c'était toute mon enfance. Ça, c'est... Bah voilà, regarde, là, c'est moi, ça, c'est toi. Mais oui. Ça, c'est Kéké Flux, c'est moi. C'est toi ? Ah ouais, je lisais ça. J'adorais Kéké Flux. Ah, voilà. Donc, chacun a son... Hélène. Mes parents me l'avaient acheté, je devais avoir 12 ans. C'était à 92, non ? 89. J'avais 9 ans. Ah, je croyais que j'étais plus vieille que ça. C'est laquelle ? Hélène. Et tu l'as rencontrée depuis ? Non, jamais. Comment c'est, Hélène, la chanson ? Ouais. Tu sais la chanson, la chanter ? Seule sur le sable, les yeux dans l'eau. Et d'ailleurs, on l'écoute tout le temps. Bon, bah moi, je m'installe là. Hein. C'est bien, on est bien là. Ouais. Bon alors, on est là pour parler de votre enfance, hein, parce que c'est assez facile de supposer que ce que vous êtes devenu, c'est un peu joué dans l'enfance quand même. Ça vous fait plaisir de parler de votre enfance ? Hein ? La vérité. L'idée de parler de vous, c'est un truc assez spécial. C'est spécial, oui, j'aime pas trop parler de moi. C'est vrai ? Non, j'aime pas, j'ai accepté, parce que tu m'es très sympathique, mais j'aime pas parler de moi tellement. De quoi qu'on pense ? Donc je vais partir tout de suite, ça t'ennuie pas ? Alors, Noémie Lenoir, avant de devenir un visage, une mannequin et j'ai envie de dire une top modèle internationale, vous avez grandi très très loin du show business. Très très loin. Est-ce que vous pouvez raconter un peu le contexte familial ? Vos parents font quoi ? Vous habitez où ? Alors, mon père est électricien et ma mère est femme de ménage pendant quelques années. Et après, elle travaille dans une école à l'abbaye, dans un petit quartier de Gif-sur-Yvette, où elle nettoie les classes. On est dans la banlieue parisienne. Voilà. Elle nettoie les classes et a fait à manger pour tous ses enfants. Les classes, ça veut dire les petits bureaux comme ça ? Exactement, on collait les chewing-gums en dessous, sauf moi, parce que je savais que ma mère, c'était la corvée au mois de juillet, août, où elle devait ramasser tous les chewing-gums. D'ailleurs, il n'y en a pas. Ah si, il y en a un. Il y en a un. J'ai mis le doigt dessus. C'est mignon ce que vous dites, parce que vous, tout le monde mettait son chewing-gum dessous. Ah non, moi, ça m'énervait. Vous savez que votre maman, donc, elle va devoir nettoyer. Hop, on faisait ça et... Tout le monde collait les chewing-gums, je disais « Non, mais tu veux pas ça, c'est ma mère qui nettoie. » Et donc, voilà. Et on a dit que vous grandissez donc en banlieue parisienne, on n'a pas dit quelles sont vos origines, vos parents sont quelles. Ma maman est de La Réunion, et mon papa est français, gifois. Des arrière-grands-parents, corse, ma grand-mère est corse. Ah. Et mon grand-père est belge, ouais, j'adore la Corse. Et donc, j'ai... Donc vous êtes métisse. Voilà, je suis métisse. Mais ma mère, donc, elle était... Donc, du CP jusqu'au CM2, et ma mère qui était dans la même école. Donc, les conneries, je pouvais pas trop en faire. Et moi, qui étais tout le temps la première à me battre, ben, je pouvais pas trop. Alors, quand vous dites la première, c'est que, bon, on a une image de vous extrêmement glamour et sexy. Vous êtes en train de nous dire que vous étiez un garçon manqué. Ah, j'étais un vrai garçon manqué. Et qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette famille ? En fait, on n'attend pas... On me demande pas d'être médecin, d'être avocate ou... Parce que mon père, déjà, il a arrêté ses études très tôt. Ma mère a arrêté ses études à 13 ans. Elle vient d'une famille très nombreuse de 17 enfants, où elle était la quatrième, elle devait s'occuper des enfants. On nous demandait juste d'être... bon, de bien travailler à l'école, mais... J'ai vécu une enfance heureuse, malgré beaucoup de problèmes qu'il y avait. Quel genre de problème ? Bah, j'avais un papa alcoolique. Pendant beaucoup d'années, j'avais juste pas envie que mon père rentre à la maison.
Mais vous, avez quel âge quand vous en prenez conscience? C'est surtout très tard quand je vois mon père qui s'enferme dans une chambre et qui écoute du Gainsbourg ou du Elvis Presley et qui boit des litres et des litres d'alcool. Donc là, je comprends, puisque ma mère lui fait comprendre que c'est pas bien ce qu'il fait et il faut qu'il arrête. Il a arrêté après pendant quelques années, il a recommencé après mon adolescence à boire. Mais oui, ça, c'était des engueulades tous les jours, tous les week-ends. J'avais juste pas envie que mon père rentre à la maison et ça a été ce qui nous a séparés, mon père et moi, pendant quelques années. J'en ai voulu. Je l'ai presque haï. Il me dégoûtait même. J'avais, voilà, l'image de mon papa qui était, quand j'étais toute petite, dès que je pleurais, je faisais « Ouh, papounet, papounet !» C'était lui et d'un seul coup, il devient plus rien à mes yeux et ça a été très dur. Et je me suis pas occupée de lui pendant presque 6 ans. Et alors que moi, je gagnais des millions. Tes parents étaient séparés. Mes parents se sont séparés. Que moi, je gagnais beaucoup d'argent et je savais pas jusqu'au jour où j'ai mon amie Karima qui m'appelle et qui me dit « Tu sais que ton père, il est complètement bourré dans la rue. Faudrait peut-être que tu t'en occupes. » Ma grand-mère m'appelle, donc la mère de mon père m'appelle et en disant « Ton père, tu sais où il habite ?» Je fais « Non, je sais pas où il habite. » Et ils m'ont montré. Il habitait dans un 20 mètres carrés. Il avait pas d'argent et je savais pas tout ça puisque je le reniais. Puis j'ai vu mon père. À 25 ans, j'ai accouché de Kélian, mon fils. Et il m'a fait la promesse de ne plus jamais boire. Et donc, le 24 janvier 2005, mon papa a arrêté de boire. Voilà. Et c'était le plus beau cadeau qu'il ait fait à mon fils, surtout à la naissance de mon fils. Et pour nous, c'était... Et c'était trop tard, déjà. Parce qu'il avait déjà tout perdu. Il avait perdu ma mère. Il avait perdu son travail. Il avait perdu sa maison. Il avait perdu mon frère. Et il m'avait perdu. Mais en 9 ans, il a tout récupéré. Ouais. Donc, mon papa, c'est tout pour moi. La petite fille de 8 ans à l'école, ça se passait comment? Un vrai garçon manqué. En fait, c'est en CE2 que tout a changé. Je travaillais très bien à l'école. Et j'avais une maîtresse qui me mettait toujours au fond de la classe. Et jamais j'avais le droit à des images ou des trucs comme ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ne plus aimer l'école. Vous prenez des cours d'orthophonie à l'époque? D'orthophoniste, parce que j'étais dyslexique. Et ça, c'est mes parents, malgré tout, ils n'avaient pas d'argent, mais ils m'ont payé l'orthophoniste. Ils m'ont payé un appareil dentaire qui, à l'époque, n'est pas remboursé et qui est très, très cher. J'avais des dents qui poussaient dans le palais et tout. Quand on sait... ce que vous avez fait par la suite. Vous avez été photographié par les plus grands photographes du monde. Mais moi, mes parents, dès que j'ouvre un bout de papier, je déchire un bout de papier. Ah, non, non, non. Arrête, tu sais combien coûte tes dents? Et voilà. Et... Vous rêvez d'être vétérinaire, mais vous avez une drôle de signature quand même quand vous êtes adolescente. Mais super oui, c'est bizarre d'ailleurs. Parce que c'était pas du tout mon rêve de petite fille de devenir mannequin. Mais depuis toute petite, je signe. Alors... c'était quand même en 92, Miss Univers 2000. Ah, c'est génial. La petite fille. Voilà, je n'étais pas très... Hein? Vous trouvez moche, nous non. Non, mais arrêtez, on peut pas arrêter. J'ai l'impression, et tout le monde me dit, Noémie, tu as fait une chirurgie sur ton nez. Je fais, non, ça c'est la fée Bonne Chance qui est venue, qui avait, tiens, je te change. C'était mignonne quand même. Non. Mais même les garçons ne me regardaient pas. Déjà, les garçons, vous savez qu'en primaire, ils regardent que les blondes. Oui, c'est vrai, également. J'ai eu beaucoup de succès. Et moi, pas du tout. Donc, voilà. Mais je le vivais très bien, puisque j'étais un petit garçon manqué. Donc, on reprend. Vous êtes cette adolescente, on va vous imaginer à 16 ans, donc qui se trouve pas jolie, un peu garçon manqué, qui rêve d'être vétérinaire. Qu'est-ce que, avant que votre vie bascule, de quoi vous rêvez à ce moment-là? Toujours vétérinaire vers 16 ans? Bon, alors pas du tout. La connerie de la scolarité française, c'est donc j'ai fait 8 ans de cours d'orthophoniste. Donc on peut s'imaginer comment j'étais en orthographe. Médiocre. Donc à 16 ans, où on me met, bien sûr, nul en orthographe, non? Non. BEP secrétariat.
logique jusqu'à maintenant. Et heureusement, alors, c'est passé ce jour-là. C'est ça qui est fou. C'est que c'est bien parce que moi, je suis fasciné par les histoires humaines. C'est plus fort que dans toutes les fictions de la Terre. Donc, cette petite gamine de cité qui est partie pour être secrétaire, voilà le destin qui est tracé, va un jour aller à la poste. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer à la poste? J'achète un timbre. Ma mère me dit, Noémie va m'acheter des timbres. J'arrive à la poste et une femme d'environ 70 ans vient me voir et me dit, tu devrais être mannequin. Et moi, je la regarde avec mon accent de banlieue. Ouais, c'est ça, vas-y. Elle est où, celle-là? Elle me donne le numéro de Ford Models. Voilà, une grande agence de mannequin internationale. Une grande agence de mannequin internationale. Je rentre chez moi en disant à maman, ouais, t'as vu, maman, il y avait une meuf là-bas. Elle me dit, vas-y, tu devrais être mannequin. Elle me regarde, Noémie, s'il te plaît. Tu rigoles ou quoi? Je fais, maman, regarde. Et je lui donne le numéro. Elle fait, ah! Le week-end d'après, j'étais déjà dans l'agence. Avec votre mère? Avec ma mère. Ah ouais. Et c'est elle qui t'emmène? C'est elle qui m'emmène. RERB, direction rue Scribe, 9 rue Scribe à l'époque, je m'en souviens, Opéra. Pourquoi c'est évident pour elle qu'il faut y aller? Parce qu'évidemment, c'est un dessin qui va basculer. Parce que c'est son rêve. Elle fait des photos quand elle est jeune pour s'amuser, quand elle arrive en France, à faire des photos avec son afro et sa sœur. Donc pour elle, c'était son rêve. Et donc j'arrive à l'agence avec mon survêtement, mes Air Max et tout. Et puis ils me regardent comme ça, ils me font... Bon, il y a peut-être un potentiel. Il y a peut-être un potentiel, mais il va falloir qu'on change. Il me coupe les cheveux. Soi-disant, c'était la mode. Il fallait que je ressemble à une mannequin qui s'appelait Nadège à l'époque. Donc, on me coupe les cheveux et il me demande de prendre des cours de diction. Alors, de diction, ça veut dire quoi? C'est articulé, c'est bien parlé. Articulé. C'est un peu, entre guillemets, apprendre le français. Hélas. Et vous vous retrouvez à 17 ans dans un catalogue qu'on connaît tous, on va le citer, c'est La Redoute. Redoute. Racontez-nous comment ça se passe, où est-ce que vous allez, combien vous gagnez, qu'est-ce alors que ça déjà, représente pour vous? Alors déjà, c'était mon père gagnait sa vie et puis je suis arrivée au bout, après 3 jours de catalogue avec le même salaire que mon père. C'était un mois de salaire et ça faisait déjà 32 ans qu'il était électricien. Et donc, grâce à ce métier, j'ai fait rêver mes parents. Racontez la première séance. C'est pas la première séance, je me souviens. C'est surtout quand je suis arrivée au lycée avec les photos qui avaient paru dans le catalogue où j'étais un peu dénudée. Et donc tous les garçons dans du les lycée, pages lingerie, ça. Voilà, ils viennent me voir et ils font « Oh là là, t'es trop nebeau dans le catalogue !» Et j'ai fait les pages, elles doivent être collées du catalogue. Et donc ça a été... Et j'ai arrêté, j'ai eu mon BEP quand même. Yeah. Secrétaire. Secrétariat et j'ai arrêté, et j'ai commencé à être mannequin. Bon, voilà la suite de l'histoire, parce qu'effectivement, vous changez d'univers, vous parcourez la planète, vous allez rencontrer des gens dans des milieux extraordinaires, ouais. Et vous allez me dire quel regard vous portez là-dessus. Alors, pour essayer de comprendre, de visualiser, donc bon, avant de devenir l'homme qui composera la chanson du siècle, avant de composer des chansons qui sont chantées dans les écoles, Yves Duteil, on essaie de vous imaginer enfant. Donc, vos parents font quoi? Vous grandissez où? Je grandis à moitié dans le 17e arrondissement. À Paris, donc. À Paris, et... À moitié dans le 19e, où ma maman travaillait à la bijouterie familiale, au Carillon d'Or, ça s'appelait, avenue Secrétin. Mon papa était agent d'assurance, mais il était passé par la case acheteur de trucs français extraordinaires pour les Américains. C'est-à-dire qu'il avait des clients américains qui venaient à Paris et il leur faisait visiter tout ce qu'il y avait d'intéressant, les fabriques d'objets, de la porcelaine de Limoges, et puis il leur faisait découvrir le savoir-faire français aussi bien d'ailleurs dans le domaine du Lido, du Moulin Rouge, que dans le domaine des choses qu'on vendait dans les grands magasins américains. Quelle est l'ambiance familiale? J'avais un peu, moi, l'impression qu'on vivait les uns à côté des autres et pas avec les autres. On ne se disait pas grand-chose de nos vies respectives, de nos émotions, de nos sentiments. Surtout mon père. Ma mère, elle était beaucoup plus expansive. Elle m'a appris à parler anglais, à parler français, à écrire le français, avant même d'aller à l'école. Et mon papa, lui, était très douloureux. C'était un être fermé qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à communiquer, qui me serrait la main pour me dire bonjour. Il rentrait le soir du travail, il me disait... Hello boy! Puis il me serrait la main. Il t'embrassait pas? Non. Jamais je t'aime? Ah non. Moi qui étais plutôt câlin, bisou, tendre, ça collait pas trop. Mais en même temps, je trouve que mon père nous a prodigieusement aimés. Quand j'y pense, ça me. C'est-à-dire qu'il nous a vraiment protégés. Il nous a offert de pouvoir faire ce qu'on voulait dans la vie.
en faisant des études, en travaillant pour qu'on vive de façon à pouvoir faire des études, en nous poussant, mais en nous parlant pas. Parce qu'il était émotionnellement aussi fragile que je peux l'être, sauf que lui, il avait choisi de se fermer. Et autant j'en souffrais à l'époque, autant je sais aujourd'hui qu'il n'était pas équipé pour faire mieux. Donc ça me le rend infiniment sympathique. À l'école, ça se passait comment ? Je faisais marrer tout le monde. Et voilà, je crois que j'avais envie de séduire. J'avais envie de plaire, j'avais envie de, qu'on me remarque. Et donc je faisais l'envie. Et j'ai demandé de quoi vous rêviez à l'époque ? Je rêvais de rêver. Parce que je crois que le rêve, il n'y a rien au monde de plus concret. Je crois qu'un adulte heureux, c'est un enfant qui n'a pas renoncé à son idéal et à son rêve d'enfant. Et je crois que mon rêve, ça a été le piano. Comment ça rentre dans votre vie ? Ben, y avait un piano à la maison parce que ma mère jouait très, très, très bien. Et j'ai commencé à jouer à 10 ans. Et là, mon père me dit, tu veux faire de la musique ? Tu vas prendre des cours de piano. Alors j'ai commencé à prendre des cours de piano. Solfège et tout. Solfège. Réfractaire complet. Je ne sais toujours pas lire la musique. Incroyable. Ça décomplexe. Je ne sais pas lire la musique. C'est une note, si, quand même. Une partition devant mon nez ne me parle pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Alors c'est instinctif, oui. Comme ça. Et donc, ma prof de piano, puisque je devais prendre des cours, me donnait la marche turque de Mozart et tout. Et moi, je rentrais à la maison et j'écoutais le disque. Et j'apprenais le disque d'oreille. Et après, quand je retournais au cours de piano, j'avais la partition devant les yeux, je faisais semblant de la lire et je jouais complètement d'oreille. Ça, c'est un don, quand même. Tout. Ce qui va changer votre vie, c'est quand on vous offre une première guitare. Vous avez 15 ans. Ben, en fait, je faisais partie, puisque je jouais du piano déjà depuis 5 ans, et je faisais partie de l'orchestre du lycée, mais je jouais de l'orgue. Et je voulais essayer quand même la guitare. Donc, je piquais la guitare des guitaristes de l'orchestre du lycée. Et j'ai demandé, à 15 ans, j'ai demandé à mes parents de m'offrir une guitare. Et très vite, vous composez ? Tout de suite, oui. Dès que j'ai une guitare, c'est assez marrant parce que je n'étais pas particulièrement auteur, mais je commence à mettre des paroles sur des musiques avec la guitare, tout de suite. Et à 16 ans, j'avais fait mes premières chansons. J'en ai une que j'ai enregistrée sur le premier album, qui s'appelle La Puce et le pianiste. C'est une des toutes premières chansons que j'ai écrites. Un jour sur un piano, une puce élue domicile, elle posa son sac à dos, ses affaires de ville. Voilà. Je me rappelle, parce que c'était un tube. Vous avez fait un tube avec une chanson que vous avez composée à 15 ans. Mmh. Donc vers 17 ans, vous commencez à monter des groupes. Oui, alors avec des copains du lycée, des amis de rencontres, on a fait des groupes. On a fait un groupe qui s'appelait les Marquis Five, mais on écrivait Marquis Q-U-2-E. Parce qu'il met Marquis Five, forcément. Ça n'est plus cool. Alors je chantais, moi, des trucs en anglais, des trucs en français. Et alors vos parents vous pensent quoi de l'idée que ce petit mec, il veut être artiste ? Ah ben, j'ai eu tout. Passe ton bac d'abord. Mon père a résisté autant qu'il a pu. Parce que dans son esprit, à lui, chanter, c'était aller dans des boîtes de nuit enfumées. Moi qui étais si fragile des bronches. C'était son idée, voilà. Et il avait peur pour moi. Quelqu'un que j'ai connu bien plus tard m'a dit, votre père m'avait dit qu'il avait une fille et un garçon. Donc mon frère et ma sœur. Et un jour, ce quelqu'un lui dit, oh tiens, je suis passé devant le théâtre de la ville, il y a un type qui s'appelle comme vous, qui va chanter, qui s'appelle Yves Dutheil. Et là, mon père a dit, oui, c'est mon fils. Il avait occulté ? Oui. Parce que vous étiez trois ? Oui. C'était que dans son esprit, on était notaire, médecin, avocat, bijoutier, on faisait du marketing, de la recherche, on faisait un vrai métier. Chanteur, dans son esprit, c'était pas un vrai métier. Donc inquiet, c'est ça ? Il était inquiet, très inquiet pour moi, oui. Mais c'est pas de la honte quand même, si ? La colère non, non, il avait pas honte. La colère rentrait. Non, il était pas, il adhérait pas. Il adhérait pas. Il sentait pas un métier pour moi, il avait peur. Et j'étais triste, moi, de devoir être quelqu'un d'autre, en fait, pour lui faire plaisir. Bon. Alors, Chantal, donc vous n'aimez toujours pas parler de vous, mais le fait que vos camarades l'aient fait, ça oui, c'est vrai, ça me donne envie de parler de moi également. C'est vrai. Finalement, c'est... c'est vrai. Donc, Chantal, racontez-nous, où est-ce que vous grandissez ? Vos parents font quoi ? Le milieu, l'atmosphère ? Alors, moi, je grandis dans le Nord, à Tourcoing. Je suis née à Roubaix. Je grandis dans une ville très gaie, très souriante et très charmante.
Tourcoing. Donc... je me disais, bon, pourquoi pas, j'y ai pas vécu. Et voilà. Et dans une famille, mon père était entrepreneur. Il avait une usine dans le nord de charpente métallique, charpente bois. Et ma mère était parisienne. Et j'ai grandi, j'ai eu une enfance très heureuse et très joyeuse, en fait. J'étais avec mon frère et on habitait dans l'usine, enfin pas dans l'usine, mais il y avait l'usine et puis il y avait la maison qui était à côté. Et ma cousine, la cousine de ma mère, habitait à côté, il y avait mes grands-parents, enfin toute la rue, quoi. Bon. Et finalement. Donc dans un clan, quand même, c'est ça que vous dites. Espèce de clan, voilà. Et j'ai eu une enfance très joyeuse. Je pensais qu'à jouer, en fait. Donc, un souvenir de quelque chose de ludique, d'insouciant. Oui, d'insouciance, de famille très joyeuse. Ma mère était parisienne, je ne sais pas pourquoi vous dire, parce qu'elle s'ennuyait dans le Nord, en fait. Comment vous saviez ? Elle me l'avait dit, et j'entendais. Ses parents venaient souvent, parce qu'ils habitaient à Paris, et ils venaient souvent la voir, et elle pleurait, alors qu'elle était très joyeuse, très gaie. Mais elle pleurait, j'écoutais aux portes, beaucoup. J'écoutais aux portes, et elle était triste d'être dans le Nord. Et elle adorait mon père, c'était un couple qui s'adorait. Mon père était un homme très jovial. J'avais peur de lui quand même. Pourquoi ? Je sais pas, il avait une grosse voix. Voilà. Pourtant, j'étais sa petite fille chérie, parce que j'étais la seule fille de la famille. J'étais sa petite fille. Avec un frère. Il m'appelait Scrooge. Scrooge. C'est-à-dire ? Je sais pas pourquoi, j'ai dit Scrooge. C'était Scrooge, c'est curieux. Hein. Scrooge. Mais une petite fille comprenait pour un petit garçon. Une petite fille comprenait pour un petit garçon. Je me souviens, j'allais justement à la piscine avec mon frère et mes cousins. Et puis souvent, on lui disait, il est sympa ton petit frère. J'avais deux boutons de moustique. Des cheveux courts, j'étais très longue. Donc, et moi, j'adorais ça. Et je voulais être habillée comme mon frère. Et on se demande évidemment si vous aviez déjà le sens de l'humour. Bah, c'est-à-dire que je pense, parce qu'on me mettait sur la table quand j'étais petite, et il fallait que je chante et je raconte des histoires. Je me rappelle de ça. Et je me souviens, j'allais en classe pour rigoler, en fait. J'adorais aller en classe, parce que j'étais avec mes copains, mes copines, et je prenais trois bouts de chiffon, et je faisais des petites scénettes dans la cour de récréation. Pendant la récréation, je faisais un quart d'heure, acte, je faisais une pièce. Ça venait d'où ? Ma mère était très drôle, voilà. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elle était très, très... Elle avait beaucoup d'humour, et elle faisait rire tout le monde quand elle allait tous les jours dîner. Oh là là, Jeannine, c'était extraordinaire. Et c'est vrai, quand j'allais chez le coiffeur avec elle, les gens l'attendaient parce qu'on disait « Ah, on va rigoler !» Alors tout le monde l'attendait, elle racontait des histoires, elle était très drôle. Donc vous avez côtoyé une nature. Voilà, c'était une nature. Je la regardais comme ça, j'étais fascinée. Est-ce que vous vouliez la faire rire, elle ? Non, pas elle, parce qu'elle avait déjà... Elle se faisait rire elle-même. Vous n'étiez pas rival de... Non, je voulais faire rire tout le monde autour de moi, mes camarades, mon frère, mes cousins, mes oncles et tantes. Je voulais faire rire, j'adorais ça. Je voulais faire du spectacle, toujours. Et un jour, je suis revenu de l'école, je me suis sauvé de l'école. Je n'ai pas attendu qu'on vienne me chercher. Et je suis parti à Tourcoing. Et j'avais 7 ans. Et j'ai ouvert la porte du Centre dramatique du Nord. Et ils étaient en train de répéter le mariage de Figaro. Et le professeur s'est retourné, il me dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire, ma petite fille ?» J'ai regardé, j'ai dit « Je veux te faire du théâtre. » Il me dit « Mais demande à tes parents, on part en tournée, on cherche un petit page. » Et mes parents n'ont pas voulu, donc ils sont allés le voir, mais ils n'ont pas voulu, je ne suis pas partie en tournée à 7 ans. Mais j'avais envie, et je pense que ma mère aurait voulu. Elle disait souvent « Si je n'avais pas eu la guerre, j'aurais fait du théâtre. » Je pense que c'est ça le déclic. Ouais, c'est ça. Incroyable. Elle le disait, elle m'a insufflé cette chose. Elle nous emmenait au théâtre beaucoup. En scène 2, vous jouez Ionesco ? Oui, dans la cour. Et puis après, l'enfance s'est brisée. Enfin, l'enfant, à 15 ans et demi, j'ai perdu ma mère. Donc là, d'un seul coup... Accident de la route ? Oui. D'un seul coup, c'était le cataclysme, quoi, la catastrophe. Donc je voulais partir, je voulais mourir, quoi. C'est fou, j'étais... C'est fini, quoi. Il n'y a plus de joie, plus de famille, plus rien. Mon père était fou de douleur. Et mon père m'a mis en pension à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que je ne foutais plus rien. Et puis, il trouvait que j'avais pas une vie équilibrée. Et en fait, comme ma mère était parisienne, elle avait des amis à côté d'une pension, justement. Et ils lui ont dit, écoute, viens la mettre là, elle viendra chez nous, etc. Elle aura peut-être un équilibre de famille. Elle reviendra le week-end. Voilà, il cherchait un peu quelque chose d'équilibré pour moi. Et je me suis retrouvée dans cette pension. On était 15 pensionnaires et elles avaient tout un problème, en fait. Soit un père, soit un divorce, soit des parents, plus de parents, etc. Donc ça a été vraiment une deuxième famille pour moi. Et la maîtresse d'internat, par chance, était passionnée de théâtre. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle nous emmenait le mercredi soir au théâtre. On est allé au Français, on est allé au Théâtre de Boulevard, on est allé partout. Et je rêvais de ça, je rêvais de velours rouge, de rideaux, de pompiers de service. Mais souvent, je suis complètement toujours admiratif quand je vois mon nom au fronton d'un théâtre.
je leur photographie, je leur regarde, je m'assois dans le café d'en face et je regarde. C'est extraordinaire, c'est cool. Ce rêve qui est arrivé. C'est clair à ce moment-là, 16-17 ans, vous formulez ce rêve, vous dites « moi je veux être actrice » ou c'est un truc qu'on garde pour soi? Non, non, je voulais être actrice, je veux faire du théâtre. Et vous le dites? Je dis oui. Et les gens réagissent comment autour de vous? Bah, tout le monde se marre, parce que tout le monde... Mon père était pas du tout d'accord. Après le bac, il m'a dit « bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu continues tes études, tu repasses ton bac, tu fais quelque chose, tu... » Et ben, j'ai dit « non, je veux faire du théâtre ». Il était pas d'accord, il me dit « faut que tu fasses quelque chose ». Parce qu'il est inquiet. Il s'inquiète, il est malheureux, et je m'en fous. Je me casse quand même, en fait. Et j'ai fait du théâtre, je me suis inscrite au Conservatoire de Lille. Au Conservatoire de Lille, je suis restée très peu de temps. Le professeur venait de Paris et il me disait « mais faut que tu ailles à Paris, t'as un truc, t'as vraiment un truc ». Il m'a dit « je t'assure, t'as un truc, va au cours Simon, je te promets que t'as un truc. Vas-y, tu verras, tu seras pas là, c'est formidable parce que premier cours, oui. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été cassés au début oui. Par des gens malveillants. Là, il y a quand même quelqu'un qui porte un regard bienveillant oui, sur exactement, vous. Exactement. Et qui oui. Vous encourage. Oui, complètement. Alors, on va raconter la suite tout à l'heure. Alors, qui conduit? Ah, je veux bien conduire. C'est vrai? Oui. Allez-y, on va marcher. Allez. Chantal. Chantal, tu conduis bien? On monte tous les deux? Allez, qui monte devant? Attention. Qui monte devant? Wow. Fameux starter. Ah ouais, moi j'avais une vieille Renault 18, mes parents disaient « mais le starter !» Je vous garantis rien parce que moi j'ai une automatique, allez on y va. Et je vous avais pas dit, j'ai plus de points. Allez, on y va. Allez, Chantal. Ah, putain. Je suis contente parce que mon mari me laisse plus conduire. Ça va nous le dire maintenant. Merci. Merci. Hop là. Bravo. Allez, qu'est-ce qu'on doit acheter? Alors, rappelez-vous. Du potiron. Ouais. Pour la soupe. Du mascarpone. Mascarpone. Des carottes. Bonjour. 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 On est content que vous soyez encore là. Ah oui, vous êtes arrivé à temps. C'est vrai. Pour commencer à remballer. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Ah oui. Bon, bonjour. Racontez-nous d'où viennent ces fruits et légumes. Bonjour. C'est vous qui avez tout fait pousser? Non. On va prendre quelques clémentines. Quelques clémentines. Alors d'eau corse? Bah oui. Bah oui. Et puis alors 1 kg de carottes pour la blanquette. Oh, deux. Oh, je vous en remets deux. C'est gentil. Merci. Voilà. Et puis 1 kg de carottes pour la blanquette. Oui. C'est tout pour la recette, c'est bon. T'as pomme besoin de terre, champignons carottes. Pour la recette? Ah oui, des champignons. Ils sont là, regarde. Des champignons de Paris. Bah, c'est plus grand-chose. C'est pareil. Hop, pas. Ça vous va? C'est juste pour mettre dedans. C'est bon? C'est bon. Super. Merci à vous. Et voilà. Mais c'est moi, merci. Merci. Bonne journée. Bon, bah, bonne journée. Merci. Bonne journée. Allez, bonsoir. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça fait plaisir de vous voir. Eh ben c'est vrai. Mais tiens, à chaque fois que je vous vois, vous avez le sourire. Ça veut dire que vous avez le sourire 24 heures sur 24 ou c'est que quand j'arrive? Jour et nuit. J'irai vérifier. Quand je vous vois. J'irai vérifier. Alors, normalement, nous, on cherche du mascarpone, c'est ça hein? Oui, il faut du mascarpone. Ben, le gros problème, c'est qu'à cette époque-là, j'en fais pas. D'accord. Parce qu'on n'en vend pas beaucoup et ça se vend surtout l'été. Pour le tiramisu. Eh oui, il va nous faire un tiramisu. C'est ça que vous vouliez faire, ouais. Je suis désolée. Vous allez forcément dites-nous un truc super chouette qu'on n'aurait jamais goûté de notre vie. Super chouette? Trou cul, trou cru. Trou cru. Du. Rien que le nom, ça me fait. Non, le trou du cru. Le trou du cru. Eh ben moi, je vais goûter un trou du cru. Eh ben, c'était une bonne idée. Voilà. Je vais en acheter un pour mon mari, je vais lui ramener. Voilà. Ah oui. En fait, c'est le fromage à offrir. On va essayer de faire ça bien. Moi, je vais, quand je vais inviter des gens à la maison, je passerai un message comme ça. Tu leur dis bien que c'est un fromage qui restera dans les annales du fromage. Bien. On dirait que t'as 10 ans de grosse tête. C'est ça. Et les bouvards sortent de ce corps. Merci. Merci. Voilà. Merci.
Merci. Merci, madame. Merci, madame. Merci. C'est moi. Au revoir. À bientôt. C'est terrible. Vous savez pourquoi le marché? J'ai envie de tout acheter. Ben oui. Le poisson, là, qui vient direct. Le poisson qui passe, qui vient direct de Noirmoutier. Yeah ah, c'était bien, ça, patoche. On y va? Allez, hop. Au revoir, moi. Au revoir, les amis. C'est quoi ça? C'est de la mangue. Pomme ou abricot? Tu veux ça? Oui. Tu veux quoi toi? Moi je prends du jus de pomme. Allez. Oh, ça c'est très épais, non? C'est du jus d'abricot, ouais. J'ai fait une cure de jeûne pendant 8 jours sans rien manger. 8 jours sans rien manger? La seule nourriture c'était un verre de jus de fruits épais. Un? Un seul. 24 heures? Un seul à 16 heures. Vous avez connu la faim? J'ai connu la faim. J'ai connu la faim. C'est horrible. J'ai souffert. Santé. 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 Quand on grandit. Dans l'enfance, donc on voit qu'on a tous les mêmes peurs. L'adolescence, on voit si on a tous les mêmes complexes. Donc, quel souvenir vous avez de l'adolescence? Bonne période, mauvaise période? Mauvaise. Pourquoi? Angoisse terrible. Non, j'étais pas bien. J'étais beaucoup plus peureux que heureux. Ah, c'est joli, ça, confrère. J'étais... peur de quoi? Angoissé de... Comment on fait? Je sais pas. Pour moi, c'était un mystère. Et moi, je ressentais que le désir. Je ressentais pas l'amour. Et pour moi, voilà, je ne savais pas du tout ce que c'était. En d'autres termes, vous avez, Yves Duteil, vous avez emballé ou pas emballé? Je prenais ma guitare, je chantais. Une fille qui restait à la fin, c'était voilà. C'est le bon test. Oui, c'était... La guitare, tu ramasses. La guitare. Tu ramasses la guitare. Ça m'a toujours énervé. Comme je ne sais pas jouer d'instrument de musique, j'ai toujours détesté les potes guitaristes sur la plage. Donc je vous aurais détesté. Mais donc il en restait une quand même à la fin. Ben, en général, voilà, ça se passait plutôt bien, mais toujours dans la peur, quoi. Je savais pas vers quoi j'allais. Donc, ce que j'avais jamais... En fait, je crois que j'ai manqué d'exemples. Il y a un truc qui m'a fait énormément de bien quand mon papa est parti. J'ai retrouvé des lettres, j'ai retrouvé une lettre de ma mère à mon père. Et j'ai découvert que mes parents étaient amoureux. Oui. Ma mère parlait à mon père sur cette lettre d'une façon tellement tendre, est tellement douce que moi qui étais toujours persuadé que mes parents s'étaient rencontrés parce qu'ils avaient été présentés, mariage un peu arrangé, et qu'à la fin, elle avait fini par ressentir pour lui une certaine tendresse. Ben non, c'était plus que ça. Il y avait vraiment de l'amour. Et moi, ça m'a libéré de quelque chose parce que cet amour-là, je n'ai jamais vu. L'adolescence, vous avez aimé, pas aimé, Chantal Latsou? J'avais un frère qui me surprotégeait et un père aussi qui avait peur qu'on m'approche. Donc. J'osais pas vraiment, dès que j'ai un garçon qui me plaisait, je dis attends, qu'est-ce qu'il sait, tout ça. Donc c'était un peu. Ils avaient peur, ils me protégeaient un peu trop. Donc ils vous éloignaient de ça? Qu'ils m'éloignaient de ça, oui. Il fallait que je fasse rien du tout, quoi. Et en fait, après, ça m'a donné un petit peu peur des hommes. Donc j'étais la pote à nichon de mes copains, moi. Ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire que j'étais la bonne copine, quoi. Ils me considéraient comme un garçon. Je sortais avec eux, j'allais dans les boîtes de nuit avec eux, je déconnais avec eux, on faisait des trucs les 400 coups, mais tout le temps, j'étais le pote. Et est-ce qu'il y avait un dont vous étiez amoureuse qui draguait devant vous? Oui, il y en avait un, j'étais amoureuse, et puis j'avais sorti avec lui, j'avais peur, j'avais pas le droit, j'avais l'impression que j'avais pas le droit. C'était chasse gardée, et je pouvais pas, mais j'ai une trop grande protection, en fait. Et ça a basculé un jour? Ça a basculé un jour. Après, j'ai flirté, mais j'ai pas trop flirté. J'étais pas trop flirteuse. Et comme moi, j'avais un petit complexe, je me trouvais pas très belle. Et quand je regarde les photos, j'ai dit, t'es con, Chantal, t'étais quand même pas mal du tout. Vraiment, j'aimerais bien revivre mon adolescence maintenant. C'est vrai, je me trouvais la pas... La manière dont on se perçoit, quoi, ça change tout. Vous, Noémie, l'adolescence, bon souvenir, mauvais souvenir, ouais. Dans la rencontre, enfin, dans la découverte du sentiment. En fait, je crois que j'ai sauté cette étape, en fait. C'est-à-dire? Ben, très tôt, j'ai été mannequin. Et très tard, je suis sortie de l'enfance. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment... À 15 ans, je me souviens, on était partis en vacances en Normandie et j'avais un poupon. 15 ans, encore avec mon poupon. Un poupon. C'est oui, comme un une poupon. Poupée, quoi. Ma poupée, mon poupon. Et après, j'ai eu mon premier copain à... Vous êtes passé du poupon. Ah oui, je suis passée du poupon au lycée, en fait. C'est au lycée où j'ai abandonné mon poupon. Et je suis passée après au lycée, où là, on découvre... Le bisou? Ouais, le bisou, mais là, c'était des compétitions, en fait. C'était n'importe quoi. C'était
C'est-à-dire bah, on se roulait tous des pelles, et c'est celui qui durait le plus longtemps. Ah mais oui. Sans amour, on faisait ça des pour rigoler. Par des voilà, soupes de langue. Des soupes de langue jusqu'à baver. Mais c'était n'importe quoi. J'ai même une copine qui a attrapé la mononucléose, comme ça. La maladie du baiser. Et voilà, et donc de l'enfant, je suis passée à femme, en fait. Enfin, femme. Vite fait. Femme vite fait, presque. Voilà. Bon. Moi, j'ai bien envie de voir comment tu vas nous faire cette blanquette. Surtout qu'il faut quand même une heure pour une blanquette. Allez. Pour manger normalement. Avec une soupe de potiron. Qui a besoin d'aide? Vous êtes autonome sur vos recettes? Moi, j'aimerais bien qu'on épluche les carottes. Et les je veux bien éplucher les carottes. D'accord. Vous voulez pas faire votre potimarron? Ouais, mais il faut juste... Il faut s'entraider. Ouais, on s'entraide. Moi, en tout cas, sachez que je suis là. Tu es un économe. Toi aussi, tu veux éplucher quelque chose. Ouais, j'aimerais bien. Est-ce qu'on les épluche? Ma mère, toute sa vie, elle m'a dit un économe. Je crois que c'est le premier mot qu'elle a appris. Et donc, tout le temps, elle me dit, tu prends un économe. En dansant comme ça. Est-ce qu'on épluche ces pommes de terre-là? Économes, ils sont là. Ah, ils sont là. Super. Alors, Maïté. T'as pas un deuxième économe que je t'aide parce qu'en attendant que la blanquette se chauffe un peu. T'avais besoin des... Toi aussi, tu fais les carottes? Ouais. Il en faut plein. Trop de carottes. Alors Yves, si vous voulez bien... Donc Yves, qu'est-ce que vous faites? Rien, je regarde. Alors ça, c'est fort. J'ai mis tout le monde en route et je regarde. On est ses assistants. Vous dirigez les opérations, ça me va. Non, alors... parce que j'attends que la blanquette boue un peu. D'accord. Pour l'écumer, voyez-vous. Super. Alors Yves, on était dans votre jeunesse et vous rappelez que on était au moment où votre père s'inquiète, il a pas envie que vous soyez artiste. Ouais. Vous dites c'est pas grave, c'est mon destin, je dois m'épanouir, je dois y aller quand même. Et à un moment donné, vous vous retrouvez au Club Med. Oui. C'est-à-dire vous êtes comme Thierry Lhermitte dans Des Bronzés. Exactement. En fait, mes parents, au moment de mai 68, ont envie de m'éloigner un petit peu de tout ça. Ils m'envoient au Club Med. Où ça? À Cefalù, en Sicile. À 24 heures de train. Ça a été le paradis pour moi. Ah ouais. Je me suis tellement plu là-bas que je me suis débrouillé pour rester au père. C'est-à-dire, on ne me payait pas, mais je ne payais plus mon séjour. Donc, en fait, je suis resté plusieurs mois là-bas. Et vous faites quoi exactement? J'ose à peine dire, j'étais mannequin. Enfin, j'étais hôte d'accueil au restaurant. Je crois que vous allez me dire que vous aviez animé des spectacles et tout. Mais j'en profitais pour chanter. Qu'est-ce que vous allez faire après? Des petits boulots, c'est quoi les petits boulots? Alors, c'est accompagnateur d'excursion à Paris by Night. C'est cool, ça. Ouais. Vous parlez en plusieurs langues à ce moment-là? Oui. Et alors, on faisait un truc extraordinaire. Parce qu'on marchait au pourboire. Et donc, on m'avait appris à le faire. À la fin du tour, on parlait dans le micro, etc. On laissait traîner le micro à côté du tableau de bord. Et quand les gens descendaient du car, ostensiblement, on prenait une pièce dans sa poche, je prenais une pièce dans ma poche, et je la faisais tomber à côté du micro dans une petite soucoupe, et ça faisait du bruit. Pour rappeler aux gens qu'il fallait donner des sous. Donner sous. Donc déjà, dans les petits trucs. Dans chaque métier, comme ça, il y a des petites astuces. Donc je faisais la manche déjà. Et là, il y a une émission à la télévision qui s'appelle Le Petit Conservatoire de Mireille. Oui. Alors Noémie ne connaît pas, mais on peut lui expliquer ce que c'était. C'est l'ancêtre de la Starac. Voilà, la Starac, modèle réduit et très artisanal, avec Mireille qui est une... chanteuse qui a écrit aussi des chansons qui font partie du répertoire, qui sont restées dans la mémoire collective comme des chansons, des tubes. Quoi. Le petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin, c'est un ni queue ni tête. Et elle a fait une école de chansons. Oui. Et elle donne son avis. Et elle donne, elle est la nouvelle star, elle toute seule. Quoi. Elle donne son avis et elle est assez cassante, on va dire. Elle était... Elle avait ses têtes de turc et ses chouchous. Voilà. On sait que Françoise Hardy était son chouchou. Oui. Je vois qu'on voit un extrait, c'est... Ah, ma petite Françoise. Ça n'est pas ce que j'ai non pour elle. Petit Dutheil. Et alors? Compliqué, moi j'étais... Et je n'avais droit de faire que des bossa nova ou des duos. Allez, on regarde, venez voir Yves Dutheil. Ah ouais, cool. Petit conservatoire, il a 20 ans. Yves Dutheil. Je ne suis pas encore habituée au nom. Je dis Yves. Oui. Qu'est-ce que c'est après? Yves Dutheil. Dutheil. Je sais que vous avez 19 ans. Bon. Et moi, je voudrais que vous montriez la bossa nova exactement comme vous l'avez fait. Oui, mais il faudrait un petit tabouret pour mettre mon pied pour jouer la guitare. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais oublié Patrick. Ça faisait partie de la mise en scène. J'avais pensé, on l'avait répété, ça. J'ai longtemps aimé la terre, mais je n'en ai plus que faire. Tout en elle me désespère. Elle n'est que lutte et que guerre. J'ai souvent pensé aux rêves pour
me donner une trêve, le repos sur une grève, mais la joie m'en fut trop brève. La 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 la. On a envie d'applaudir. Wow. Mais oui. Remarque. C'est une chanson à toi, ça. Oui. C'est une de mes premières, une des premières. C'est fou, hein. Beau gosse, hein. Hein, c'est quoi, ça vous surprend, wow, ça surprend. Non, parce que c'est... présenté pour vous, parce que vous êtes avec en direct. Ah, on est en direct, là. Vous êtes en direct à la télévision, il y a des millions de gens, parce qu'il n'y a qu'une ou deux chaînes. Oui. Et là, vous découvrez ce qu'on appelle des producteurs véreux. C'est quoi un producteur véreux? Parce que c'est ce que tous les parents... Tous les parents peurent pour leurs enfants pour cette raison, parce qu'on sait qu'il y a plein de requins. Plein parce de... qu'il devait être à la porte de l'école, non? Pour essayer de... Oui, en fait, j'avais rencontré des gens, des producteurs sérieux, enfin des producteurs vrais, des vrais. Et ils m'ont fait rencontrer un type, comme ça, qui un jour avait manifesté le désir de me faire faire un disque. Sauf que là, vraiment, je suis tombé sur quelqu'un de malhonnête. Mais ça veut dire quoi, malhonnête, à l'époque? Malhonnête, il vous fait signer un contrat, et après, vous attendez, et il ne se passe plus rien, du tout. Donc vous êtes piégé. Vous êtes piégé parce que vous avez signé un contrat. Donc quoi qu'il se passe, après, c'est lui qui touche. Oh là là. Dans tous les métiers, en fait. Et il vous met dans un tiroir et il attend le moment où vous allez avoir une chanson qui va... Le tube, quoi. Voilà. Et là, je dis au gars, écoutez, vous n'en faites rien, rendez-moi mon contrat. Et le gars me dit, d'accord, ok, rendez-vous à telle heure, à tel endroit, et je te rends ton contrat. Donc moi, avec ma mobylette, à l'époque, j'attends vraiment le gars, le rendez-vous. Et il arrive... Je suis très pressé, là, je suis obligé de partir tout de suite, je m'en vais. Hein. Je te dis, tiens, voilà ton contrat, c'est terminé, on n'en parle plus. Dans l'enveloppe, il y avait notre contrat déchiré. Oh là là. Mais quelque chose ne collait pas. Donc je remets les morceaux, je... Oh purée, vous découvrez que c'est pas le vrai? Oui. Non. C'était une photocopie. C'était une photocopie. Alors mon père appelle le gars, je lui dis, écoutez, c'est quoi le problème? Il dit, bah, j'ai fait faire des maquettes, ça m'a coûté tant. Il lui a dit, vous savez, mon fils n'offre jamais rien. Oh. Mais là, il est trop malheureux, donc rendez-lui son contrat. Et ils ont échangé. Mon père a donné l'argent de l'enregistrement que réclamait l'autre. Et là, il a eu le vrai contrat. Et là, j'ai pu me libérer et vraiment débuter ma carrière. Et donc, votre papa, c'est... Et l'autre, il a dû les avoir. Alors, racontez-nous, parce qu'il faut aller vite, etc. Comment vous faites un premier 45 tours? Alors, je suis à la Resserre au Diable. Et ce soir-là, il y avait dans le restaurant Frédéric Botton, qui a écrit des chansons pour Juliette Gréco, pour Régine. Et là, Geneviève Baélac, qui dirigeait donc l'établissement, me présente à Frédéric Botton et dit, bah voilà, c'est un jeune auteur-compositeur. Le gars, il dit, bah, venez me montrer vos chansons chez moi, voilà mon numéro de téléphone. Et j'y crois à moitié, mais je vais le voir. Avec ma guitare, je fais un petit bout de virage, première chanson. Et il me dit, on enregistre dans 15 jours. Et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans un studio d'enregistrement. Ouais, trop cool. Avec une chanson que j'avais créée tout seul avec ma guitare. C'est jouissif, en fait. Et 40 musiciens autour. Oh là là, le truc, ça doit prendre aux tripes et tout, l'émotion. J'ai fait mon premier enregistrement, qui a été un succès d'estime. Mais quand on sort un disque, après tant d'années d'attente, est-ce qu'on a des espoirs déçus, quand même, que ce soit juste un succès d'estime? Ben non, parce que je sais que je suis sur mon chemin. Enfin! C'était... On a une explosion de blanquettes de bouge. Oui. Ouais. Après, je vais faire ça. Vas-y, vas-y. Je le sais, pourtant. Et oui, je pense là, que j'étais conscient que c'était ça, que je rêvais de ça. Je voyais les artistes et je disais, un jour, je serai là. Et un jour, je me rappelle aussi avoir participé à un spectacle à Cabourg, qui était la ville dont Bruno Coquatrix était maire. Donc le patron de l'Olympia. Et qui était en même temps le patron de l'Olympia. Et je suis passé à côté de Bruno Coquatrix. Et pour moi, c'était mythique. Ah bah oui. Et je faisais une toute petite première partie dans un spectacle où il y avait des artistes très nombreux qui se produisaient. Et je passe à côté de lui et je lui dis, vous savez, un jour je serai à l'Olympia. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais j'en suis sûr. C'est beau. C'est joli, ça. Et c'est des phrases comme ça qui vous marquent. Je me revois. Hanter les couloirs de l'Olympia pour assister comme ça en douce, planqué aux répétitions de Polnareff, aux répétitions de Michel Fugain. Et quand on regarde Michel Fugain, je ne sais pas s'il est déjà avec le Big Bazar, ou quand on regarde Polnareff qui fait un genre de musique différent, est-ce qu'on est déstabilisé en se disant, bon, bah, c'est ça qui marche, mais c'est pas ça que je fais, moi?
Mais c'est ça que je faisais. Je chantais tout Fugain et je chantais tout Paul Naref. Donc, en fait, vous passez votre temps à observer ces gens-là. Bah oui. Et là, je rencontre effectivement Noël, qui partagera cette aventure musicale et amoureuse jusqu'à maintenant, 40 ans plus tard. Incroyable. Si vous voulez bien, on en parle au dîner, parce que ça me fascine. Parce que dans le show business, on est d'accord, 40 ans, ça vaut beaucoup plus. Est-ce qu'on peut vous aider, Noël? Non, c'est bon. Ça me fait plaisir de vous aider. Ah bah alors, tout le monde, alors allons. Par contre, c'est dur à couper. C'est vrai? Moi, je fais les gros trucs. Je coupe, vous enlevez les papas. C'est vrai? Ouais. Fais attention aussi. Non, attention, tais-toi. Oh là là, je sens le massacre. Tac, tac, allez-y, ça marche. Non, le côté, comme ça, ça va. Ne mettez pas vos mains. Alors Noémie, tout à l'heure, oui. Je rappelle les épisodes précédents. Oui. Vous êtes cette petite qui grandit dans la banlieue parisienne. Le papa est électricien, la maman fait des ménages dans les écoles. Cherchez une cuillère, c'est là. Ouais, merci. J'aime bien comme vous voulez pas déranger, vous cherchez. Et cette petite que l'éducation nationale destine à être secrétaire. Ouais. Eh ben, dans un bureau de poste, elle a acheté un timbre. Et là, il y a une dame qui dit, mais vous pourriez être mannequin. Et vous allez à l'agence Ford, qui est quand même pas la plus nulle, puisque c'est une des plus grandes agences de la planète. Exactement. Et vous commencez à faire des shootings, comme on dit, des séances photos, et vous gagnez en 3 jours ce que votre père gagne en un mois. Exactement. Et alors, vous allez faire un voyage, vous partez pour 15 jours, vous allez rester 7 ans à... À New York. Alors, on part de Gif sur Yvette. Alors, de Gif sur Yvette, je signe avec Ford à l'âge de 17 ans. Ça marche pas du tout. Je trouve pas de boulot. En France, quand en vous... France. Donc, attendez, comment on vit ça? Parce que... On le vit très mal. Bah, surtout, une fois, ça m'est arrivé, je faisais un casting pour un avant défilé. New York. Avant New York. Pour un défilé, et j'étais confirmée. Donc, ça veut dire que j'avais le job. Donc, on arrive, on commence à se faire maquiller, on fait notre fitting et tout. Et la directrice de casting me regarde, et devant tout le monde, alors qu'elle parlait très bien français, elle me dit en anglais, Noémie, you can leave, you cancel for the show. Vous pouvez partir, vous êtes annulée au défilé. Alors que vous avez été confirmée? Alors que j'ai été confirmée. J'avais 17 ans. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je Pourquoi suis rentrée... Parce qu'on se sent rejetée? Parce que, humiliée comme... un peu. Oui, parce que... Pourquoi tu t'étais acceptée, elle t'avait rejetée? Je sais pas, je n'ai jamais su. Bref. Et je me fais annuler, et là, je rentre chez moi. Et je dis à ma mère, écoute, maman, je ne veux plus être mannequin, je suis triste. J'ai plus envie. Et elle me dit, t'inquiète pas, ça arrive, c'est les choses de la vie, nanani, nanana. Et on envoie mon book, l'agence Ford envoie mon book. Le book, c'est quoi? C'est toutes c'est les photos filmées. C'est le folio, voilà, où il y a toutes les photos de vous. Et donc, on envoie mon book aux États-Unis. Et là, il y a Gap qui me fait venir à New York et qui dit, voilà. J'adore. Génial. Première campagne. J'arrive là-bas, 17 ans, je connais pas New York. Pour moi, je parle pas anglais. J'arrive dans un monde où tout est speed, même si à Paris, c'est speed. J'arrive dans un univers que je comprends pas. Je reste dans un appartement de mannequins où on est 10 filles, on dort sur des lits superposés. C'est sympa ou pas, ça? L'ambiance. Ah non, c'était horrible. Pourquoi? Ah non, c'était dégueulasse. Je m'entendais pas du tout avec les autres mannequins. Très très mauvais souvenir. T'es pas sympa avec toi, en fait. Non, je m'engueulais tout le temps avec tout le monde. Et puis il y avait toujours moi je suis quelqu'un qui est très maniaque, et donc toutes les filles elles étaient dégueulasses, ça laissait les trucs par terre, enfin dans les salles de bain. 10 dans un appartement. Oh, j'en pouvais plus, voilà. Et donc je fais Gap. Ça a été un buzz. Allez-y, qu'est-ce qu'on voit? Parce que j'étais affichée, même quand je rentrais à Paris, je me voyais en 4x3 dans le métro avec mes grosses lèvres, mon petit afro. Et c'était, mais. Voilà, j'étais. Super, hein? J'étais super heureuse. C'est ça, c'est super ce qu'on ressent. Je me pose la question. Je dis, le rêve de ma mère est devenu mon rêve, parce qu'après, je me suis battue. J'ai voulu réussir. Et là, tout s'est enchaîné très vite. Donc, vous avez 17, 18 ans, vous gagnez de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Vous le dépensez? Vous le placez? Comment on gère son argent? Parce que les sommes d'argent, on n'a pas d'idée, en fait, on se demande. Alors non, ma mère, mon premier argent, elle a pris mon argent et elle a dit, je vais te le placer. Je dis, mais non, mais c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Elle fait, Noémie, tu me remercieras un jour. Et effectivement, elle a commencé à le placer.
Et grâce à tout ça... Ça, c'était avant l'âge de 18 ans. Oui, c'était avant mes 18 ans, à 17 ans, quand j'ai commencé à faire la Redoute. D'accord, donc ça, c'est quelques sommes, mais tout ce qui va se passer quelques entre 18... Quelques sommes, oui, c'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'avais acheté la première voiture à mes parents, j'avais 17 ans, j'avais acheté une Mégane coupée. C'était tout le monde, il y avait un jeune qui était dans un quartier, il avait cette voiture, j'étais là, je la veux, j'avais pas le permis, je l'ai acheté pour mon père et ma mère, et voilà. Non mais c'est beau ça, attendez, parce que là aussi je voudrais qu'on s'arrête un instant. On peut faire plein de choses avec son argent. Vous, la première chose que vous faites, vous achetez une voiture à vos parents. Ouais, et après j'ai acheté des maisons, j'ai acheté une maison pour ma mère, une maison pour mon père, une maison pour mon frère. J'ai pensé d'abord à mettre ma famille en sécurité, et après j'ai pensé à moi, je me suis acheté mon premier appartement. Mais d'abord, j'ai voulu mettre mes parents et après mon père, quand il habitait dans ce petit studio-là, quand je suis revenue en 2003, bah, je lui ai acheté son appartement. Noémie, j'essaie d'imaginer ce que c'est la vie de mannequin à New York. De mannequin à New York. Donc on a dit des castings, des shootings, de publicité, vous êtes sur des séances photos, etc. Et vous devez plaire tout le temps, vous êtes tout le temps regardé. Tout le temps. Il n'y a que le moment où on se couche et on se réveille où on n'est pas jugé. Mais sinon, c'est toute la journée. Et cette phrase. Et puis, on est, quand on fait des castings, on est 300 filles. Donc, c'est la jument qui va gagner à la course, quoi. Et donc, on est là, on est jugé. Souvent, on vous demande de vous mettre en sous-vêtements. Ah oui. C'est quoi les commentaires qu'on entend ? On vous demande de regarder vos mains, vos pieds. Et puis... Il n'y a jamais de commentaire « Oh, elle est très belle » ou « Non, jamais ». On regarde, pas, c'est un bout, hop, non, on fait ça, on fait. Merci, au revoir. Donc, avec cet air blasé, vous voulez dire ? Ouais, mais en même temps, il regarde. C'est 300 personnes. Voilà, 300 filles, au bout d'un moment, ça fait rassure. Vous n'avez rien à faire, un comédien, il va tout donner, ouais. Mais vous n'avez rien à faire, vous non, êtes là. On est. On est, on est là. Est-ce qu'il y a des choses blessantes qu'on entend ? Une fois, j'ai été pris pour un défilé à Milan. J'essaye une robe, on me regarde, on fait bon. Donnez-lui la plus grande, la plus large. Genre, elle est grosse, c'est ça ? Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais, c'était il y a 2 mois. Donc, j'essaye la robe me va. La directrice de casting vient me voir, elle fait Oh, you know what, Noémie, the dress is fitting you. La robe, elle te va bien. Personne ne peut la porter. Et moi, je suis là, je fais, je suis très maigre, je suis trop fine, c'est trop cool. Puis là, dans ma tête, je me dis, non, Noémie, tu fais 55 kilos à l'heure d'aujourd'hui, c'est sûrement qu'elle doit être trop grande pour les autres et que pour toi, elle est parfaite. Donc, c'était une vacherie. Et donc, je la regarde et je lui dis, elle était trop grande pour les autres. Et elle me regarde et fait, oh, well too big. Trop, bien sûr, trop grande pour les autres. Et donc, c'était regarde... une vacherie, en fait. Non, mais j'étais... super triste. Ça me faisait penser à mes débuts de carrière quand j'avais 17 ans et je me sentais pas bien. Et là, je la vois au loin et elle dit à son assistant en anglais, elle lui dit « Ne lui donne pas d'autres robes, de toute façon, elle va pas rentrer dans les autres robes. » Et là, je sors et je commence à pleurer. J'appelle mon agent et je lui dis « Écoute, tu me prends le prochain vol et je rentre à Paris. Il n'y a pas moyen que je revive à 34 ans ce que j'ai vécu quand j'avais 17 ans. » Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Je viens de faire le Crazy Horse où justement on me dit que j'ai un corps de rêve. Et là, tu vas retourner avec des gamines qui ont 18 ans, qui font des défilés, qui sont on vous reproche quand même de pas être maigre. On me reproche de pas être maigre, non. Non, mais vous entendez ce que je vous dis, c'est que c'est un milieu qui encourage la maigreur, on sait bien. Moi, je faisais 48 kilos. Hein. C'est normal de faire 48 kilos à 1m78. Non, c'est pas normal du tout. 48 kilos, c'est pas beaucoup. Moi, je suis nul en poids, dites-moi combien il faut peser Il faut faire 65 kilos. Et on fait peser 48. Ouais. Donc on est à la limite de la torture. Ah oui. Je donne un avis qui est violent parce que je ne suis pas dans le milieu de la mode, je ne comprends pas. À l'époque, je pouvais manger et je grossissais pas. On grossit moins vite. Bah, je me nourrissais de cochonneries et je grossissais pas. Moi, ce soir, je vais faire un tiramisu. On va pas manger des cochonneries ce soir. Tiramisu. Avec une bonne blanquette de veau et ça commence à sentir bon. Bon d'ailleurs, moi, le potiron... Tiens, la mannequin a fait une soupe. Potiron... Ça y est, je crois qu'ils sont cuits. Hein. Non, tu crois ? Non. Laisse-le encore. Alors Chantal, j'aimerais qu'on prenne votre récit. Alors, on rappelle que cette petite fille de Tourcoing... Cette petite fille de Tourcoing... fait des petits spectacles depuis votre prime enfance. Oui. Ça, c'est naturel. Vous semblez savoir ce que vous voulez faire. Oui. D'accord ? Vous racontez comment votre maman vous emmène au théâtre. Il y a le goût de ça. Oui. Elle disparaît quand vous avez 15 ans. Vous êtes en pension. Et là, il y a une dame qui prend le relais, en fait.
et qui emmène les gamins au théâtre. Au théâtre, pendant 2 ans, j'ai été au théâtre tout le temps. Votre père ne veut pas que vous fassiez ça, il est inquiet, comme tous les parents. Voilà. On est à Tourcoing, il a une petite entreprise de charpenterie. Voilà, oui. Et vous allez au Conservatoire de Lille, et là, il y a quelqu'un qui porte un regard bienveillant sur vous, qui dit, il y a quelque chose, t'as quelque chose, voilà, Paris. Voilà. Donc, c'est de Tourcoing, on descend, mais là, on vous dit monter à Paris, j'imagine. Je remonte à Paris, je redescends ensuite, et je vais m'inscrire au cours Simon. Donc, le cours Simon, c'est un grand cours de tête. Mais je n'y vais pas tout de suite au cours Simon, j'ai la trouille. J'avais peur de René Simon. T'avais peur de quoi ? D'être rejeté ? D'être rejeté, oui. Que d'un seul coup, votre rêve se confronte à la réalité, qu'on vous dise non, non. Vous n'y allez pas. Vous n'avez pas le droit de rêver. Et donc, j'y allais le lundi soir, parce que René Simon faisait un cours magistral. Et j'y suis allée, et j'essaye, je me lance, je suis courageuse, je me lance. Et puis, je tire la porte, c'était fermé, la porte du cours. Je tire la porte, j'ai ouvert la porte brusquement, et le rouge était mis, j'ai cassé la porte, en fait. Donc, il m'a mis le projecteur comme ça sur moi, il m'a dit, il y a quelqu'un qui est rentré, comme ça. Je veux le voir qui c'est. Et puis, j'ai eu le projecteur sur moi, pour la première fois, je suis rentrée au cours, j'étais dans un état. Il m'a engueulée, etc. Donc, je me suis mise dans les rangs, j'ai rien dit. Puis après, je me suis inscrite vraiment au cours, et quand il m'a vu la première fois sur scène, il m'a dit, toi, tu réussiras très tard, rentre chez toi. Mais non. Si. Et au bout d'un an de cours... Attendez, parce qu'on voit qu'en fait, la moindre phrase de quelqu'un... C'est terrible. ...est importante. Bien sûr. Puisque le patron de l'Olympia dit à ce gamin, oui, tu vas réussir. Et ça l'aide à continuer son rêve. Absolument. Et là, quelqu'un dit, tu réussiras très tard, donc quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Mais il y avait quand même le « tu réussiras ». Donc c'était quand vous même raccrochez positif. Au début de la phrase. Puis en plus, je m'amusais tellement bien au cours Simon. Pour moi, ça a été 3 années extraordinaires. Vraiment extraordinaire. Et la première année, très bien. Et au bout d'un 2 ans, la directrice m'appelle, elle me dit, là-dessous, on cherche une pute aux variétés. Elle me dit, tu vas te présenter aux variétés, on cherche une pute, tu vas avec, tiens, elle. Et puis elle nous désigne. Et vous passez par la rue Saint-Denis, vous habillez comme ça, avec une jupe de cuir. Toi, tu te mets une perruque brune. Je me suis mis une perruque brune très courte, je me suis maquillée. des rouges à lèvres, une petite mini jupe en plastique. Ah, c'est marrant comme couleur, dis donc. Ah oui. C'est le café. C'est le café. Oui. C'est génial. Donc vous vous déguisez. Et je me déguise, et puis on va aux variétés toutes les deux. Puis là, il y avait des jeunes filles qui étaient dans les cours encore, qui attendaient l'audition. Et puis le metteur en scène nous voit toutes les deux. Il dit, merci mademoiselle, j'ai trouvé mes personnages. Vous n'avez pas ouvert la bouche? Non, on avait trouvé nos personnages, c'est formidable. Là, d'ailleurs, le René Simon nous disait tout le temps, et alors quand vous vous présentez, allez-y un peu dans le personnage déjà, comme vous êtes. Allez-y un peu, surtout au théâtre, comme ça, surtout pour les petits rôles. On vous visualise toujours. C'est un bon conseil, ça. Ouais. Et alors, ce qui est amusant, c'est que l'année dernière, j'ai joué aux variétés. J'avais joué, c'est là où j'avais fait ma première pièce. J'avais joué ma première pièce qui s'appelait les 4 vérités de Marcel Aimé. Et donc, quand on est la première fois qu'on est sur scène, même si c'est un petit rôle au théâtre des variétés, et qu'on vient de Tourcoing, et qu'on rêve de ça, et qu'on a super peur. J'étais contente. Que ce métier ne nous accepte pas. Eh oui, j'avais peur, mais j'étais tellement heureuse. Parce qu'on commence à faire rire. C'est les premiers rires que j'ai eus, c'est là. Parce que j'étais loulou la myope et je me cassais la gueule sur les gens. Ce qu'on ne sait pas, c'est que je ne savais pas que vous avez tourné avec Buñuel et avec Alain René. Oui. Vous pouvez nous raconter ces expériences de jeunesse. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, quand j'étais dans cette période de théâtre, etc. Au cinéma d'auteur, là. Oui. J'avais rencontré un copain assistant qui m'a dit, mais viens déjeuner à Boulogne, je suis assistant sur le film de Buñuel. Tu verras le tournage. Et Buñuel m'a vu, il m'a dit, pour que cette jeune fille ait un rôle dans mon film. Non. C'est facile, le métier, c'est génial. Oh. Qui a dit que c'était difficile? Je décrochais un rôle au théâtre, je décrochais un rôle dans Buñuel, c'est extraordinaire. Et il m'a donné un petit rôle dans... C'était un film à sketch, Le Fantôme de la Liberté. Mmh. Et tout le monde est à table comme ça, et en fait, les chaises sont des toilettes. Et je passe le papier cul, en fait. Et quelqu'un me demande où sont les toilettes, et je leur dis où est la cuisine. Donc tout est inversé. Comme dites-moi ça. La vérité, si c'est pas Buñuel qui vous demande de faire ça, vous le faites quand même? Bah non, je le fais peut-être pas. Mais là, Buñuel, il pouvait me demander ce qu'il voulait. Le mec, il peut tout se permettre, c'est un maître. Qu'il voulait, bien sûr. Et après, j'ai tourné dans le film d'Alain René. La vie est un roman. La vie est un roman. J'ai vu le, non? C'est un monstre sacré. Et après, je me suis dit, ce métier est très facile. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Et j'ai voulu fonder une famille. Parce que je voulais absolument fonder une famille, en fait. Pourquoi? Parce que j'avais été un peu brisée dans plein vol. Et je voulais recréer un cocon. Donc, j'ai fait 2 garçons. J'ai eu 2 garçons. Et je me suis dit, je vais m'arrêter pour les élever. Et je me suis arrêtée 4-5 ans. Et au bout de 4-5 ans, j'ai quand même voulu... J'ai envie de reprendre le métier, puis j'osais pas trop. Puis mon mari m'a dit, mais c'est ce que tu sais faire, vas-y, fais-le. Il m'a poussé, en fait.
Eh ben, on va voir tout à l'heure au dîner ce qui s'est passé. Oui. Que s'est-il passé ? Suspense. La suite au prochain numéro. Mais oui. Est-ce qu'elle a été accueillie à bras ouverts ? Est-ce que ça a été facile ? Non, non. Ouais, on vous oublie vite, je pense, hein, dans ce métier. On vous oublie. La cuisine, c'est pas facile non plus. On est non, bon. Mais là, ça va être. On en est où au niveau cuisine ? Ça va, les maniques. Attention, hein. J'ai fait une cuillère. Une cuillère. Ici, ici. Enlève le truc en bois, enlève le truc en bois. Oh là 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 là. Ah, putain, on est quatre sur le truc. Voilà. Un peu trop de beurre, mettez un peu de farine. Non, je ne fais pas trop non plus. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas. Je fais au pif, moi, tu sais. Et quand tu cuisines, tu penses à qui? À vous. Oh. Mais oui. Table est mise? Super. Tout est prêt? Oh, les dents, c'est formidable. Hein. Et voilà. Mmh. J'ai faim. Oh, les dents. C'est bien sympatoche, hein? C'est bien sympa. Vraiment, on reviendra dans cette auberge. Franchement, on a des bons cuisiniers, là. Oh, j'ai pensé c'est ma mère, comme ça. Elle a une super couleur. Je pense qu'une louche, ça suffit. Elle est un peu épaisse, mais elle tiendra au corps. C'est top, ça suffit. Alors, on la goûte, on la goûte. On la goûte, allez. On la goûte. Bon. Ne vous brûlez pas. Si c'est pas bon, vous me le dites. Hein. Alors? Très honnêtement, elle est superbe. Elle est bonne, hein? Pour un peu, je me roulerai par terre. Allez, vas-y. Tu veux que je me... Excusez-moi, je... Pour la soupe de Noémie Lenoir, je me joins à toi. Ah, elle est tellement bonne. Donc, on pourra dire... C'est une soupe à se rouler par terre. Par terre. À se rouler par terre. Alors j'aimerais qu'on continue vos récits de vie. Donc Chantal, quand vous décidez de faire des enfants, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier et est-ce que vous vous sentez accueillie par ce métier ? Ah non, 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 même pas, non. C'est quand même difficile. Enfin, moi, si vous voulez, j'ai eu de la chance au départ de tourner avec Alain René, avec Buñuel, et tout Buñuel ça. D'être au boulevard tout de suite. Je me suis dit, c'est très facile quand même. C'est super. C'est super. Arrêtons-nous, faisons des enfants, et puis on verra bien après ce qui se passera. Et heureusement, j'ai rencontré l'homme de ma vie, qui est toujours avec moi. Est-ce que vous le racontez sur scène ? Vous le racontez sur scène. L'homme de votre vie. Mais alors, ce que je veux comprendre, c'est que quand vous décidez de repenser, c'est vous qui décidez ou c'est autour de vous, on vous dit, allez, il faut y aller ? Non, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de... Enfin, si, j'avais un peu peur en même temps, parce que je me suis dit, je me trouvais trop vieille, finalement. Je me suis dit, il faut être jeune, et puis non. Et mon mari, c'est... Gré, vraiment, il m'a repoussé là-dehors. Vraiment, il m'a dit, mais fais-le. Parce que vraiment, s'il n'est pas là pour vous pousser, vous n'y allez pas. Si, j'avais envie, mais j'osais pas. Alors, ce que je comprends, c'est que vous revenez dans le métier, est-ce que c'est tout de suite qu'il va y avoir la classe ? Bien sûr que non, pas tout de suite. Je rame un peu, quand même. Et en fait, je ne suis pas retournée au cours Simon. J'avais pas envie de refaire au cours Simon. Un truc d'étudiante de l'époque. Non, j'avais plus envie. Puis je faisais au cours Florent. Et j'ai passé une fable. Et Florent, même lui-même, m'a dit, mais je sais pas, vous étiez prête, mais il faut aller frapper aux portes. Va frapper aux portes. Il m'a donné le déclic et j'ai frappé aux portes. Puis j'ai décroché un rôle dans Maggie et après, il y a eu la classe. Et puis j'ai rencontré Palma. Alors racontez-nous la classe, parce que c'est là que le grand public vous connaît. Oui. Et c'est là que le grand public découvre votre nom. Oui. Parce qu'il connaissait c'était pas un coup de projecteur d'un seul coup. Quand j'allais aux réunions de parents d'élèves et que les gens me disaient « Chantal Latsou qui est dans la classe », elle n'est pas crédible, quoi. C'est difficile, ça. C'est très difficile, ça. Non, mais sérieusement. Quelquefois, ça sert aussi. Quelquefois, parce que si vous faites rire le proviseur, il peut faire passer votre fils. Donc la classe, c'est la popularité. Oui. Ça débouche sur quoi, du coup ? Eh bien, la classe, alors à ce moment-là, je passe deux sketchs dans un tremplin, l'après-midi, pour m'entraîner pour la classe, justement. Il y a un jeune homme qui me tape sur l'épaule et qui me dit « J'aimerais bien vous écrire des sketchs. » Je vois un jeune homme avec un brushing comme ça, un imperméable. Et c'était Pierre Palman. Et il m'a dit « Est-ce que je peux prendre rendez-vous ?» Je dis « Bah oui, venez lundi matin chez moi. » Et puis je lui ai raconté des histoires, je lui ai raconté un peu ma vie, etc. Puis trois jours après, il m'a ramené deux sketchs qui étaient complètement écrits sur mesure. Donc vous l'inspirez ? Je l'inspirais. Il était connu déjà ? Pas du tout. Non. Il avait 18 ans. Oh, wow. Alors, il y a le One Man Show, donc c'est le succès. Ouais. Et puis, même si je fais une ellipse, un petit raccourci, il y a ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, aux têtes de boulevard, vous devenez un pilier. Et je pense aux Amazones. Vous avez failli ne pas le faire parce que c'est votre mari encore qui vous dit d'y aller. Oui.
C'est-à-dire que j'ai joué cette pièce, j'avais pas envie, parce que je sais pas lire les pièces, moi, c'est ça aussi le problème. Et aussi, elle avait un peu traîné, un peu comme ça, sur les bureaux des producteurs. Alors ça, c'est quelque chose de classique dans le métier, qu'on propose à plein d'acteurs, oui. Et donc quand on sait qu'on arrive après les autres, on le prend mal. On le prend mal. On le prend mal, et puis j'ai dit, j'ai pas envie de lire cette pièce. Et puis finalement, j'ai un peu boudé. Et finalement, metteur en scène, qui est Jean-Pierre Dravel, me téléphone, me dit, viens la lire pour moi, j'ai envie de l'écouter sur scène, viens. Et j'y suis allée, et effectivement, il y a le producteur, tout le monde était là, et ça a fait beaucoup rire. Et je suis partie pour 3 mois, mais en fait pour 5 ans. Avec 5 ans. Cette pièce, c'est fou quand même. On regarde un extrait. Les mecs aujourd'hui s'attachent plus facilement à une femme qui les intéresse. Une femme qui a voyagé. Choses, tu peux les faire rêver en leur racontant les déserts, les océans, les palmeraies. Ouais, et ben pour ça, il y a Arthur. Parce que moi, je connais pas les mecs qui veulent se maquiller avec une vieille caisse qui fait 3 fois le Paris-Dakar. Non, mais réveillez-vous. On est au 3e millénaire, les filles, on a inversé la vapeur. Ce que les mecs veulent aujourd'hui, c'est traité sur un plan d'égalité avec leur nana. Ils veulent parler business, bourse, plan de carrière. Ils en ont ras-le-bol des gourdasses qu'on regarde dans le chignon ou des boniches avec un chiffon à la main. La gourdasse, c'est moi, là. Avec le boubou. Donc, c'est ce qu'on appelle du théâtre de boulevard. Ouais, pur et dur. Voilà. Dans le sens noble du terme, dans ma bouche, oui. C'est-à-dire du théâtre qui rend les gens heureux. Péjoratif dans ta bouche. Ouais. Tout doit faire rire, en fait. Tout est... Surtout dans ce genre de pièces. C'est ce que les gens attendent, et tout doit faire rire, et tout est écrit comme ça. Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est qu'on voit bien que vous êtes quelqu'un de timide. Ça se voit ? En vrai, oui. Mais là, pas du tout. Non, pas du tout. C'est ça qui est fascinant. Quand on est comédien, c'est quoi ? C'est le culot des timides, ça s'appelle comment ? C'est ça, c'est le culot des timides. C'est vrai. Et alors, vous allez franchir une autre étape dans votre vie. C'est que vous allez refaire du one-man show et pour la première fois, vous avez décidé d'écrire. Ça aussi, c'est pas facile, j'ai mis longtemps. Hein. Parce que j'avais. Moi, c'est extrêmement lent. J'étais très lente. J'ai mis longtemps et j'avais tous ces petits trucs-là qui me faisaient rire, moi, qui faisaient des choses de vie que je vivais avec mon mari, avec ma famille. C'est un reportage de guerre. Comme mon mari. Moi, je parle beaucoup de mon mari. Hein. Il m'a aidé, il rit tout le temps. Il se rend pas compte que c'est lui que je parle. Souvent, ses amis qui viennent nous disent « C'est de toi qu'elle parle ?» Il dit « Non, pas du tout. » Il rit tous les soirs. Il voit un truc. Il est d'une mauvaise foi, il ne se reconnaît pas. C'est extraordinaire. Lui, il voit un spectacle. Non, il voit un spectacle et il rit. Bon, on présente à moitié mes 40 ans de vie de couple. Dans une époque comme celle-là, wow. Ça vaut le coup qu'on ait le secret. On est comme au premier jour, on s'engueule tout le temps. C'est-à-dire que je saute toujours de la voiture en marche, ce qui est extrêmement important. Dans une vie de couple, parce qu'il m'énerve en voiture. Il veut toujours avoir raison. Donc je saute, un petit fossé, et hop, je saute. Bon. Non, c'est agréable de vieillir ensemble. Et puis surtout, il a été toujours là. Il a toujours été pousser. Là. Il ne vous a pas empêché. Il y a plein de... Non. Peut-être parce qu'il en avait marre de me voir à la maison. Ça, vous finirez toujours par une pirouette. Ça, c'est la pudeur. La soupe était excellente. Délicieuse. On amène la blanquette. Allez. Oui. Hein, vous n'avez pas pu manger, vous avez parlé. Le temps que vous finissiez, on va amener la blanquette. Elle est délicieuse. Hein. Oui. Oui. Ah. Voilà la suite. Miam, miam, miam. La blanquette. On va laisser la place royale à la blanquette au milieu. La blanquette. Je sers ? Vas-y, allez. Tu me dis stop. Stop. Alors, Noémie. Oui. Vous revenez en France et puis vous allez continuer comme ça les défilés. Et on essaie de comprendre ce que cette petite fille ressent quand elle défile pour des gens comme Jean-Paul Gaultier, qui est une notoriété planétaire. C'est une fierté. On est heureuse à ce moment-là, même si ça se voit pas sur ma tronche. Je suis heureuse. Là, on vous demande de pas le montrer, c'est ça. Mais non, je suis fière. Mais alors après, il va y avoir des choses qui sont vues par beaucoup plus de gens. Je pense au défilé Victoria's Secret. Ouais. Expliquez-nous ce que ça a de particulier. C'est une marque de sous-vêtements. C'est une marque de sous-vêtements américaine. Ça a strictement rien à voir. Là, vous passez un casting où vous êtes presque les 500 plus belles femmes du monde et vous vous retrouvez à être juste 20, à faire un des plus grands défilés du monde où on vous juge vraiment là. Ah ouais.
pour votre beauté et votre corps. C'est un tournant de votre vie qui est énorme. C'est-à-dire ? Parce que défiler pour Victoria's Secret, c'est le show américain en, ouais. dans, la, dans toute sa splendeur. Ça passe à la télévision. Ça passe à la télévision le 11 décembre, je crois. Il y a des millions de gens qui regardent. C'est, ouais, et tu es dedans ? C'est énorme. Et tu es dedans, dedans et on la regarde. Ah, génial. OK, Noémie, go. Go, 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 that's what we're doing. Down by camera 10, beat comes in. Suena, 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 suena. Baby, que mi negra me quiera. Isabelle with the feathers on her chest is 9 of 12. Tenga dinero y que no se muera. Ayude que se lo pedí a baja la luz. Automation Q50 for all drops in. I can keep myself and still keep you too. So I keep in mind when I'm on my own. Somewhere far from home, in the danger zone. Ah, c'est super, hein? Ouais. C'était à nous que vous faisiez ça. Ça, c'est les kisses de Victoria's Secret. ouais, j'avais jamais vu les images. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous les voyez? C'était les, ouais, les plus belles années de ma carrière. Mais je trouve ça impressionnant. Vous arrivez à vous imaginer, vous? C'est fou, hein. Non, mais, parce que mais j'ai plus faim du coup, je sais pas pourquoi. Pardon? Vous dites quoi? Ça donne plus faim? On mange plus de blanquette. Si, justement, apprends vos sports. il faut assurer. Mais surtout, elle a l'air super à l'aise. Oui, c'est que il y a quelque chose de majestueux quand vous marchez. Mais c'est surtout, en fait, c'est le moment où ils vous disent « Noémie, number 12, you have to go ». Et à ce moment-là, on vous dit « Allez, t'es là, tu fais partie des 32 plus belles femmes du monde cette année, donc tu le donnes. » Et à ce moment-là, pendant les 20 secondes, on se sent belle et on se sent regardée, on se sent désirée. Parmi toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie, vous avez fait du cinéma dans une super production qui fait 15 millions d'entrées et vous êtes aux côtés de Jamel Debbouze, de Monica Bellucci, dans Astérix. Alors, oui. C'est quoi l'expérience? C'est quoi le souvenir? Alors, pour moi, c'était... on me dit souvent Noémie, mannequin, actrice. Non, je suis mannequin. Je ne suis pas actrice. Quand je me regarde dans un film, je me trouve nulle. Et chacun a sa place. Vous en avez fait plusieurs? Oui, mais c'était... Alors que vous ça avez m'a pas plu, l'opportunité, vraiment. Ah, les ça possibilités. Ça ne vous a pas plu de faire ça? Non. De le faire? Bah, quand j'ai fait le dernier film, Rush Hour, avec Jackie Chan, j'ai aimé jouer la comédie. Mais je n'ai pas aimé cet univers. Pourquoi? Ah oui. Je sais pas, il y a un truc. Vous êtes quand même dans une super production internationale. Il y a un grand réalisateur un jour qui m'a regardé et qui m'a dit: t'as pas vraiment envie d'être une actrice. Mmh. Et je lui ai dit: t'as peut-être raison. Et quand on n'a pas de talent, on n'a pas de talent. Il faut pas faire semblant. C'est rare d'entendre ça, hein. Mmh. Cette honnêteté, cette lucidité. Ouais, mais personne, pas beaucoup de gens comprennent. Dans la vie, j'ai l'opportunité, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux. Donc pourquoi faire, pour faire plaisir aux gens, quelque chose qui me fait pas jouir? Oui, c'est super. Et alors, je vous parle de ça parce que c'était quelque chose de public. Vous êtes retrouvé dans les médias alors que vous avez vécu quelque chose d'intimement grave. Dur. Bon, en fait, je pense... Donc, c'était en décembre 2009. Je suis revenue vivre à Paris. Je me suis remise avec le père de mon fils. Et le 8 mai 2010, c'est passé ce qui s'est passé. J'allais pas bien, j'étais sous médicaments. Je pense que j'étais vraiment malheureuse et j'étais vraiment dans une grosse, très, très, très lourde dépression. Ouais. Et est arrivé ce qui est arrivé le 8 mai 2010. Je me souviens, je m'étais engueulée avec le père de mon fils ce jour-là. Et je l'ai regardé et j'ai dit: je vais aller me tuer. Et il m'a rien fait, ouais, c'est ça, tu vas aller te tuer. Et je suis montée dans ma chambre, je me suis habillée en blanc. Pff, truc pathétique. Je suis partie, j'ai trouvé un fossé. J'ai pris une bouteille de vodka. Je suis partie dans les bois. Et j'ai avalé tous les cachets. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai appelé un ami à moi. Et je lui ai dit: bon, écoute, tu diras à mon fils que sa maman, elle l'aime et qu'elle est désolée. Du geste qu'elle va faire, mais je suis pas assez bien pour vous, donc je m'en vais. Et à ce moment-là, il a appelé le père de mon fils. Le père de mon fils a appelé ma mère. Ils m'ont cherché partout. Et comme par hasard, il y a un monsieur qui faisait du VTT juste à côté, qui est passé à côté de ce fossé et qui a cru que j'étais une homeless, une clocharde.
Et il a vu les pompiers, les policiers qui cherchaient avec des chiens. Et ils disent, vous cherchez quelqu'un, il y a quelqu'un qui est dans un fossé. Allez voir. Et le truc le plus dur pour moi, c'est qu'on m'a réanimée devant ma mère. Ma mère a perdu beaucoup de kilos à cause de ça. Et voilà. Voilà. Vous avez été sauvée ? J'ai été sauvée, je suis restée 2 semaines dans le coma. Et je me suis réveillée et j'ai regardé le père de mon fils et j'ai dit bah, « Je crois qu'en fait, c'est fini entre nous. » Et résurrection s'est faite, j'ai rencontré mon psy. Et tout s'en est suivi. J'ai pris 2 ans d'année sabbatique à penser à moi pour penser à mon fils. Et voilà, c'était une grosse erreur et je m'en veux. Beaucoup de gens m'ont jugée pour ça en me disant « Comment elle a pu faire ça? Elle ne pense pas à son fils. C'est ignoble. Comment on peut être une mère en voulant s'enlever la vie ?» Donc c'est des gens qui jugent la souffrance, pour faire simple. Qui n'essayent pas de comprendre, surtout, le poids qui nous pèse. D'où mon rêve et mon envie d'ouvrir une association pour les femmes qui sont... qui n'ont pas confiance en elles et surtout qui ont besoin de parler. Et aujourd'hui, vous pourriez dire que vous êtes contente de vous être ratée ? Ouais. Ouais, même si j'ai des cicatrices, ouais. Je suis heureuse. Je suis heureuse d'être là. Ouais. Bon, et puis là maintenant, des nouvelles envies, c'est la chanson, on en parle demain matin au petit-déj. Ouais. Je sais pas si je vais avoir cette voix, hein, demain matin. Non, mais on parle de cette envie. On va goûter le fameux tiramisu, Yves Dutheil. Alors par contre, je sais pas servir parce que je sais pas mettre les bons. Oh, je veux bien. Je te laisse faire. Ah, j'aime bien servir, ça me dérange pas. Vous aimez servir ? Ouais. Ça vous suffit, ça te suffit. Après, d'abord, on est dehors. T'arrives à faire des parts, alors là, c'est encore plus extraordinaire. Là. Oh là là ! T'as vu ça ? Trop bien. Vrai chef. Alors avant de dialoguer avec quand même celui qui a fait la chanson élue par les Français, chanson du siècle, on va écouter le tiramisu du siècle, Yves Dutheil. Allons-y. Allez. Mmh. Ah oui. Sérieux. Trop bon. Sérieux, vous pouvez être fiers. Le tiramisu du siècle. Le tiramisu, c'est parti. C'est à se rouler par terre. Le tiramisu s'est roulé par terre. Merci. Il est topissime. Et moi, je vais me rouler par terre pour la blanquette. Parce que pour la blanquette, allez, c'est obligé, ah, cette blanquette. Allez. C'est la première fois que ça m'arrive, ça, dites donc. Donc, Yves Dutheil, vous êtes donc ce jeune chanteur qui fait des albums et des disques qui sont plutôt des succès d'estime. Et puis, votre destin va basculer en 1977. Oui. Parce qu'on vous demande de faire un spectacle, et à l'occasion de ce spectacle, vous écrivez un album. Et puis il y a cette chanson qui va être élue donc chanson du siècle, c'est même pas chanson de l'année, c'est même pas chanson préférée, c'est chanson du siècle par les Français. Ce qui est fou, c'est qu'elle n'a pas marché tout de suite. Non. Alors là, le disque sort, évidemment les gens se jettent sur le petit pont de bois, la tarentelle, ce qui m'a tatoué complètement, gentil troubadour, etc. Et donc là, Monique Lemarcy vient me voir chanter un jour au Théâtre des Champs-Élysées. Monique Lemarcy, directrice des programmes d'RTL. Et elle entend prendre un enfant dans le spectacle. Et d'abord, elle, son propre sentiment, et ensuite la réaction du public. Et là, elle se dit, on est passé à côté de quelque chose. Le disque est sorti depuis plus d'1 an. Et là, elle se dit, je vais la programmer comme une nouveauté. Et c'est là que la chanson a démarré. Programmée sur RTL. C'est parti. On écoute pour le plaisir un extrait de cette chanson-là. Vous êtes chez les Carpentiers. Prendre un enfant par la main et lui chanter les refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main. Prendre
gardant tout au bout du chemin. Prendre un enfant pour le sien. J'espère que vous, vous n'en avez pas marre de l'entendre. Nous, on adore. Ah non, non, je ne suis jamais lassé de cette chanson. Jamais, jamais. Alors, juste, bon, magnifique chanson qui a marqué le cœur des gens. On peut commenter le look ? Oui. Les cheveux longs. Avec les arbres derrière, les cheveux longs, vous êtes l'homme de la forêt, c'est ça ? Complètement. Troubadour, genre. Voilà, non, mais sérieusement, c'est on était tous c'était un peu comme ça. C'était pas calculé pour le public, c'était vous. C'était la mode. C'était la mode. Ouais. On était la tous mode. Comme ça. Ah oui, complètement. T'étais dans le ton de l'époque. Voilà. Mais là, pour comprendre les albums qui vont suivre, l'image que vous avez, c'est ça que j'essaie de compenser. Est-ce qu'on se sent obligé d'égaler ça ? Alors, c'est ça le problème. C'est. Quand on vous a dit que vous avez écrit la chanson du siècle, vous faites quoi après ? Ça a été une grosse crise pendant... Je crois que j'en ai bavé pendant 3 ans. J'étais comme une espèce... J'étais sonné, déprimé, sans savoir pourquoi. Tu trouvais plus de choses... Non, j'avais heureusement écrit beaucoup d'autres chansons quand ce prix est arrivé, parce qu'il est arrivé 10 ans après la chanson. Ouais. Mais quand même, arriver à trouver le chemin après, eh ben, ça m'a demandé de devenir l'homme de mes chansons. D'être pas seulement le troubadour bucolique, mais aussi un militant de la douceur, un militant de la tendresse masculine. Être un père qui dit son amour comme ça, c'est... Il y a des gens qui pensent que c'est pire que de montrer ses fesses. Ouais. C'est impudique ? Oui, il y a des gens pour qui c'est impudique. Et c'est vrai que faire l'apologie de la douceur... Il y a beaucoup de raccourcis, donc qui dit douceur dit gentillesse. Voilà. Qui dit gentillesse surtout dans ce pays, c'est la niaiserie. C'est un brave mec, quoi. C'est un brave mec. Et au fond, vous allez, non pas le montrer, parce que vous allez le faire pour d'autres raisons, mais on va découvrir que vous êtes loin d'être nié, puisque vous êtes quelqu'un de courageux, puisque vous décidez de vous engager, et vous écrivez une chanson sur l'affaire Dreyfus. Pour les plus jeunes, il faut rappeler quand même ce que c'est cette affaire. L'affaire Dreyfus, en quelques mots, c'est... un bordereau qui est découvert dans une corbeille de l'ambassade d'Allemagne, fin des années 1800. Et donc, ça émane de l'état-major, et c'est quelqu'un qui a trahi l'état-major et qui a apporté des informations à l'ambassade d'Allemagne. Très vite, les soupçons se portent sur Dreyfus, parce qu'il est juif. Et Dreyfus, donc il devient bouc émissaire. Il devient le bouc émissaire, il devient le coupable idéal, alors qu'il est innocent, il n'a rien à voir avec cette affaire. Mais il mettra quand même 12 ans avant d'en sortir, mais un siècle avant qu'on dise vraiment que Dreyfus était innocent de façon officielle. Et donc, moi, je suis le petit-neveu d'Alfred Dreyfus. Ma grand-mère était la sœur de Lucie, la femme de Dreyfus. Et que cette affaire, nous, on l'a vécue de l'intérieur comme une très grande souffrance pour l'ensemble de la famille, à tel point que mon père n'en parlait pas. Donc, il a fallu que moi, j'aille à la découverte de cette affaire pour un jour, peut-être, me dire « Je vais écrire une chanson pour perpétuer la mémoire de l'innocence de Dreyfus. » Et ça voulait dire « Je vais révéler que je suis juif. » Pourquoi on dit « révéler » ? Parce que chez nous, on n'en parlait pas. Et que c'était... ça faisait partie de l'histoire cachée de la famille parce que les Juifs avaient trop souffert pendant les guerres... Donc, peur guerres, de ce qui pouvait arriver, donc on évite de leur peur, année, précaution, peur... Ça explique aussi cette double culture, puisque j'ai été baptisé aussi, par précaution. Donc cette double culture me donne une ouverture sur la spiritualité qui est totale, quoi. Je suis ni juif ni catholique, mais je suis un peu des deux quand même. Je n'ai pas vécu dans cette culture, mais ça m'a imprégné quand même. Alors on écoute un extrait de cette chanson, c'est au Théâtre de Jazzé, je crois que c'est en 2008, et on en parle juste après. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes. Lorsque tu désespères dans ton île en Guyane, et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. C'est beau. Bravo. Donc, on va parler de demain matin, un petit déj de la suite, de ce que, là où la barque va vous emmener.
quand vous allez repartir, mais quel regard vous portez sur votre parcours aujourd'hui, sincèrement? Je suis surpris, en n'étant jamais à la mode, d'être encore là aujourd'hui. D'avoir passé les modes. D'avoir dépassé les modes. Ça vous dirait pas qu'il nous joue de la guitare sur le ponton? Ah oui. Feu de camp? Ouais. Avec plaisir. Feu de camp. Alors, on y va. Là, oh là c'est là super! Ça vaut le coup! Ah, c'est wow. Génial! Il fait froid, ah ouais, tout ça. C'est cool! Ah, c'est sympa, il manque juste des marshmallows. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ah ouais, là. Alors là, je peux rester, là, tu je vois. Comprends. Là, d'accord. Ah, là, on est bien. Ah, là, c'est là, bon, c'est là. Bien. Vous vous sentez bien avec nous, alors? Ah, ouais. Petite couverture. Moi, j'avais peur d'avoir froid. On dirait Madalton avec ça. Hein. il manque le fusil, tu sais. Allez, on chante. Allez. Peut-être que la guitare va pas trop aimer le feu, mais... C'est dommage à celui que vous alliez écouter chanter. Oui, ah, oui, oui. Je suis trop bien, là. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un champ de blé, se laissant porter par le courant. Les courants se sont racontés leur vie qui commençait. Enfin, la note est presque. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille à la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Super. Hey, hey. Ah, comment ça va? Magnifique. C'est la première. Bien dormi? Ouais, c'est la première quoi? Hein? C'est la première quoi? La première fois, je suis la première réveillée. C'est pas t'y faire un footing. Bonjour! Comment ça va? Bien dormi? Bonjour. Oui. Wow. Super. Un peu de café? Allez. Du café? Bonjour. Je vais prendre du thé. Bien, du café. Ouais. Bonjour. Ah, ça va? Tu me dis stop. Ah, très bien. Et toi? Encore, merci. Comme un bébé. Un café, toi? Ouais. Bonjour. Ça va? Café? Ah, volontiers, oui. Vous avez passé une bonne nuit ou vous avez fait une grosse sieste? On sait pas trop. Non, c'était une bonne nuit, une belle nuit. C'est une maison tranquille, une maison... On est bien, on là. Est bien là. Bon, moi, je voulais savoir comment vous allez, là. Après 24 heures, parce qu'on a l'impression que ça fait plus de temps, évidemment. Et je voulais savoir ce que vous retiendrez de vos nouveaux camarades. Que des belles rencontres. Non, c'était que des belles rencontres. Ouais. Le fait de se retrouver comme ça au petit déjeuner a vraiment l'impression déjà d'être un peu une famille, d'être un peu des gens qui se connaissent depuis beaucoup plus longtemps. Oui. On est bien, on a envie d'être on sent à la maison. Il y a Yves, j'adorais déjà ses chansons, et puis maintenant c'est ce regard, cette écoute qu'il a. Ce... Oui. Non, c'est vrai, ce beau regard qui se pose sur nous, c'est très beau. Et je voudrais que vous disiez quelques mots
quelques mots sur cette action à Pondichéry. Le frère de Noël, Lionel, est à Pondichéry depuis très longtemps. Il est parti avec son bateau, puis il s'est posé là, posé ses valises. Et au jour du tsunami de 2004, il a vécu ça comme il l'a pris en pleine face. Et quand il a visité les villages alentours, c'était tellement un désastre qu'il a dit « il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc il a appelé sa sœur, Noël, mon épouse. Il lui a dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ben, nous, on avait une association, on l'a transformée et on l'a adaptée pour qu'elle puisse collecter des fonds pour porter secours à ces gens qui étaient autour de lui, à Pondichéry. Et on l'a fait, et c'est Après School, Après c'est le nom de l'association, donc Après School, là-bas, à Pondichéry, qui accueille les enfants les plus défavorisés du sud de l'Inde. Et depuis, on a une centaine d'enfants là-bas qui vivent dans l'école, et Lionel qui s'en occupe. Et donc, notre souci quotidien, c'est aussi de trouver des parrains à ces enfants, de pérenniser la vie de l'école et de pouvoir continuer à assurer leur avenir, un nouvel avenir. Ça, c'est ce que vous faites d'ici. Oui. On écoute un petit message du bout du monde. Bonjour Yves. Ta chanson la plus célèbre, c'est « Prendre un enfant par la main ». Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est pas un que tu prends par la main, c'est par dizaines que tu les prends. C'est trop mignon. Noël et Yves. Grâce à vous, à Blesco, nous pouvons écrire. Nous pouvons lire. Nous pouvons canter. Danser et chanter. Ils font des cadeaux. Ils vont déjà merci. Les enfants remercient Noël et Yves de leur permettre d'apprendre à compter, à écrire, à danser, à chanter, à lire. Merci. Ah, c'est beau. C'est pour toi, quoi. C'est pour qu'on se dise, wow, c'est à l'autre bout du monde, le message. C'est super. C'est des belles récompenses. En fait, ces petits-là, c'est nos petits, quoi. Mm-hmm. C'est devenu nos petits. Et quand on leur demande, tu veux être quoi ? I want to be doctor. ou ingénieur. Et notre idée, c'était que là, pour 2 euros par jour, on peut offrir un avenir à ses enfants en les parrainant. Et pour 2 euros par jour, on peut suivre les progrès d'un enfant en devenant le parrain d'un de ses petits bras. Redis le nom de l'association. Après. Et l'école s'appelle Après School. Après. Je vais être marraine. Hein. Oui, ça y est. Alors, Eh ben alors, vous êtes bienvenue, c'est génial. Ouais. Alors, qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris que vous aimez transmettre ? Le respect pour moi. Ouais. C'est la première des choses. Quand on respecte son prochain, qu'on respecte n'importe qui, que ce soit le clochard ou voilà, le respect. C'est l'exemple aussi. L'exemple. Ouais. L'exemple, et, voilà, c'est parce que c'est difficile. Peut être un bon exemple. Vous quoi vos enfants comme exemple ? J'ai une très jolie phrase que j'aime bien, j'aimerais bien la citer, d'Oscar Wilde, qui fait « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». C'est beau. C'est joli, non ? Ouais, j'adore. Ouais. Ah, j'adore. Je crois qu'on est beaucoup plus ce qu'on est que ce qu'on dit. Et puis à la fin du compte, c'est les autres qui diront si on a bien fait son boulot ou pas. Moi, je pense que on n'est pas à la fin, mais enfin, faites du bon boulot. Et donc, parlons de ce nouvel album en deux mots, parce que maintenant, il suffit d'écouter. Mais est-ce qu'il est particulier par rapport à tout ce qu'on connaît de vous ? Moi, je crois qu'il est. C'est peut-être le premier album qui ne soit pas très nostalgique, je dirais. Il est tellement positif, il y a tellement de chansons qui relèvent, qui révèlent une émotion lumineuse, quoi, comme ce qu'a donné le titre à l'album, c'est Flagrant délice. Et Flagrant délice, c'est une chanson sur la photographie. Quand je zoome sur ton visage, dans le viseur de mon Nikon, je vois ton amour sur l'image qui s'illumine et qui rayonne. Et j'attends le moment propice pour entrouvrir ma chambre noire et te prendre en flagrant délice de l'autre côté du miroir. Mais d'accord, ça va. On est d'accord. Ah oui, fais-moi un flamant délice. Bon, moi, je vous dis que vous avez tout dit. Donc, vous l'aimez, cet album. Je l'adore. Et le spectacle a été créé, là, à Paris, au Trianon, en janvier. Donc, ouais. Et maintenant, on part en tournée avec le spectacle partout. Donc, on peut voir en vrai. Ouais, en vrai. Ouais, c'est cool. C'est cool. Alors, Chantal. Oui. Donc, ce one-man show que vous avez écrit toute seule. Non, j'ai eu des complices aussi. Vous avez des complices aussi dans ça. Oui. Le DVD vient de sortir. Oui. C'est-à-dire quand on n'a pas eu la chance de venir vous voir sur scène, on peut se marrer à la maison. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous nous racontez sur cette scène ? Je parle beaucoup de ma vie de famille, de mon mari surtout, qui m'habite énormément. Agace, parce que...
Et je parle de mes enfants, je parle du métier, des dessous du métier, des coulisses du métier, du théâtre. Je me moque un peu de moi-même, beaucoup d'ailleurs. Voilà. Alors moi, je propose qu'on regarde un extrait. Aujourd'hui, l'homme de votre vie, madame, l'homme de votre vie. Raymond, Joël, Marcel, Alain, Nicolas, Eugène. Et beaucoup plus souvent à la maison, il a moins de choses à faire. Vous le croisez sur le balcon, dans le salon, dans la salle à manger. Moi, je vais finir par le mettre en centre aéré. Olé. Aujourd'hui, les hommes de 60 ans deviennent de jeunes retraités. C'est-à-dire qu'ils ont encore toute leur force, toute leur énergie pour faire chier à la maison. Génial. C'est dingue, non? Deux ados qui partent, un vieux qui rentre. Il vit sous perfusion avec ses 365 chaînes de télévision. C'est plus un appartement, c'est Virgin Megastore. L'autre jour, je rentrais du théâtre. Oui, je suis comédienne à Paris, oui. Je me la pète à mort, je rentrais du théâtre, oui. Il était affalé dans le canapé devant un film. Débile. Tout en me déshabillant, j'entame une petite conversation. Je lui dis, tu sais, Michel était très sympa, le chauffeur de taxi. Oh, on a pris un super chemin. On est allé très, très vite. Et lui a fallu dans le canapé. Ah, mais c'est bien, Michel. C'est bien. C'est génial. C'est formidable, parce que c'est extrêmement personnel. Oui, ça, c'est extrêmement personnel. Et ça parle à tous les couples de la Terre. Au début, je me disais, ça va pas intéresser. Les gens vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Enfin, je vois souvent les femmes dans le public, elles disent, c'est exactement ça, c'est ça. Et l'amour, 40 ans, ça fait rêver, et on se rend compte que c'est pas mièvre, il se passe des trucs. Hein. Il se passe des trucs, oui. On s'ennuie jamais. Ah, c'est beau, ça donne envie. Bon, vous êtes toujours parti sur les 40 ans ou pas? Parce que 40 ans, c'est un sacré défi. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Faut que tu y crois, parce que tu le mérites. Wow, cette phrase. J'ai même pas envie de votre réponse, ça me va très bien. Alors, merci. C'est un boulot à plein temps. Oui, et c'est vrai, c'est un boulot à plein temps. Alors, Noémie Lenoir, puisque le cinéma, vous pensez aujourd'hui que c'est pas pour vous, c'est quoi qui est pour vous alors? Vous avez envie d'essayer quoi? J'ai rencontré quelqu'un, bien, bref, une amie, Olivier, et il m'a entendu chanter, il a tout de suite cru en moi, et on a presque un peu traîné pendant un an ensemble, et il a commencé à m'écrire mes chansons. Et quand je chante, et on ne chante pas dans des grands studios, je recommence comme j'ai commencé le mannequinat, dans sa cuisine. Que tous les deux, le micro, le casque, et voilà. Et c'est quel genre de chanson? Donc il y a une chanson qui s'appelle Le Noir. Et donc le noir fonce sous vos doigts comme la neige au soleil, à coups de désespoir, à coups de lendemain. Je bois vos mots en l'air, vos histoires sans fin, jusqu'à crever de chagrin. Et voilà, c'est moi. Et voilà, c'est une biographie. Pour l'instant, on n'a que 6 musiques. J'espère le pouvoir sortir en 2014. Mais voilà, c'est quelque chose, encore, je vais encore dire ce mot, qui est jouissif. Voilà. Et après, peut-être on vous verra sur scène, donc. Ouais, ça, c'est le track, quand même. Oui. T'as envie de faire de la scène? J'ai envie, mais j'ai le trac. Je... En fait, juste avant de monter en scène, on donnerait n'importe quoi pour pas y aller. Mais après, on donnerait n'importe quoi redescendre, pour rester comme ça, suspendu. Mm. C'est des moments magiques. Ouais. En tout cas, il y a l'album, les chansons, on va peut-être aimer les écouter. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va aimer vous voir sur scène. Parce que au-delà, ben oui, on sera au premier rang. Au-delà de l'apparence, il y a cette énergie, etc., qui fait qu'on a envie d'être en compagnie de cette personne, je pense. Donc moi, c'est que vous parlez de toutes ces peurs là, comme ça, dans ce que vous faites, mais moi, je vais vous renvoyer vers toutes vos peurs, parce qu'il y a la barque qui vous attend, il y a la prochaine navette. Oh là, la barque, à quatre dedans. Tous les trois. Tous les trois. Il faut que je reste pour ranger un petit peu. Qui est-ce qui rame? Vous voulez? Tu le fais si bien. Bon, Yves. Écoutez, je me dévoue. Allez, on y va. Alors, allez-y, je laisse mettre un petit mot. Alors, les prénoms? Allez, un petit mot solennel. Frédéric, passeur d'amour et d'amitié, grâce à toi, j'ai deux nouveaux amis. Merci, là-dessous. Merci. J'ai pas une écriture. Hein.
pluie qui s'arrête plus. Alors, bon. Il y a encore de la place. Non, je vais le temps d'essayer. Et demain. Alors, j'ai passé de très bons moments, drôles, intenses et plein de sincérité. Merci, merci à toi, Frédéric, de m'avoir fait découvrir cet univers. Merci à Chantal et Yves. Je vous embrasse. Oh, c'est super. Merci. Alors là, grosse pression sur Yves. Grosse pression. Il n'y a pas le droit de dire un truc banal. Vous, c'est votre problème, vous n'avez pas le droit de dire des choses banales. Oui, ça, c'est sûr. Ouais, super. Aux parenthèses qu'on voudrait ne jamais refermer, merci Fred, merci Noémie et Chantal, merci à tous. Ouais. Bon, j'ai fait un petit mot, je vous laisse vous mettre au piano, j'ai envie de vous entendre encore. Avant de partir, on a l'habitude de vous entendre à la guitare et pas au piano. C'est vrai. Pour que tu ne meures pas, j'ai prié jour et nuit un Dieu que j'ignorais pour qu'il te garde en vie. Je priais à genoux pour qu'il te laisse à nous. Je faisais les prières que je me récitais lorsque j'étais enfant. Je disais notre Père, je vous salue Marie. Et je cherchais en vain dans le ciel ici-bas des instants de répit que je trouvais enfin dans le creux de tes bras. Pour que tu restes en vie, j'aurais prié Bouddha. Je ne saurai jamais ce qui de tout cela nous a gardé ensemble, du courage de vivre ou du bonheur qui tremble. Et je bénis le ciel de t'avoir épargné. Lorsqu'à la nuit tombée, je t'entends respirer. Et je connais le prix de chaque instant de paix que nous offre aujourd'hui. Et l'amour qu'il fallait pour que tu restes ici. Pour que tu ne meures pas, j'aurais donné ma vie. Merci. Merci. Chanson émouvante. Ouais. J'ai pas besoin de le dire. Ça se voit. On va vers la barque. Pardon, excuse-moi. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire pleurer. Elle est très belle, hein. Hallucinant tout ce qui s'est passé en 24 heures, non? Je vous revois là. C'est fou, c'est passé tellement vite. Trop vite, hein? Oh là là! Je resterai bien encore un peu. Bon, venez quand vous voulez, ça c'est bon, sûr. Bon, on va chercher notre famille, on vient. Oui. Alors, hein? qui va ramer? Je crois que c'est moi. C'est là-bas pour vous, c'est là-bas. On l'a regardé comme ça, genre. Ça, c'est votre sac dans l'eau. Merci. Oh, et vous, c'est là? Ben oui. Oh, attends, on va dire au revoir. Allez. Je change rien. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Ouais. Merci, Noémie. Je te suis au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci. Vous installez là. Là? Ouais. À côté, ça va pas faire. Les deux côte à côte, j'aime bien vous voir. Côte à côte, là. Parce que là, c'est Fred qui nous détache. Oui, cette fois, c'est moi qui vous détache. À contre-cœur, hein, je vous détache. Je vous aurais bien gardé, nous, mais vous avez plein de trucs à faire. Nous, on s'attache, tu sais. Au revoir. Allez, on triche. Hop là. Au revoir. Au revoir. C'était sympa. Gondolier. Non, non. C'est quoi la musique? Sur ta gondole. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Prenez soin de vous. Il se débrouille bien. Ouais. Ah, mon brochet va friser. Quand on arrive ici, on ne sait pas du tout à quoi on s'attend. J'ai passé un super bon moment. Ouais, j'ai pas envie de partir. Et en fait, j'ai dit des conneries, non?
Hein, oui, j'ai dû dire des conneries, mais bah, c'est moi. Finalement, c'est moi, voilà. Bon, c'est comme ça que je te dise. C'est moi. Et évidemment, on découvre des tas de choses, mais on découvre des invités, on se découvre soi-même. J'ai pris leur numéro de téléphone. Et deux, trois nouveaux amis dans la vie. Hein, j'ai pas trop dit de conneries quand même. Bon, allez, y va.